Wikipédia. Ça a commencé le direct? Oui. On peut commencer? Ça doit faire le setup. OK. Directing is that done. Je crois qu'on est, on est live. Ouais. OK, parfait. Bon, on va commencer. Bonsoir à tout le monde qui nous suit. Moi, c'est Ousmane Cissé. Je suis ingénieur en informatique. Je vis et je travaille au Canada. Et aujourd'hui, on va vous parler du STIM et on va essayer de comprendre à quel point les sciences, technologies, ingénierie, mathématiques... Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Sciences et les STIM peuvent... On va essayer de comprendre est-ce que ça peut comme améliorer le développement d'un pays, en l'occurrence la Côte d'Ivoire. Pour cela, on va commencer... Je vais donner la parole à tous les panélistes de se présenter. On va commencer par Aïcha. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Salut tous, je suis Aïcha Koulibaly, actuellement étudiante en master de géophysique à Baylor University. Et je fais de la recherche sur des études séismiques et spécifiquement sur, en utilisant la technique de tomographie. Et tout ça, c'est pour essayer de comprendre et déterminer, au fait, la composition du sous-sol. D'accord, merci. Okay. Est-ce que tu peux désigner une autre personne, ainsi de suite? Modeste? Alors, bonjour, bonsoir à tous. Je me nomme Sylvie Wena Modeste. Je suis ingénieur en génie mécanique de formation et actuellement je suis ingénieur en design et équipement statique d'usine de fertilisant. Je suis basé principalement à Casablanca, mais compte tenu du Covid, je travaille depuis la Côte d'Ivoire. Donc je suis en Côte d'Ivoire et je vous parle actuellement. Et c'est un plaisir pour moi de discuter de ce sujet. Herman? Merci Modeste. Je suis Herman Kwasi, je suis actuellement au Cap en Afrique du Sud. Je suis ingénieur machine learning. Je travaille pour une compagnie en e-commerce. Donc, je suis vraiment très passionné par le sujet de ce soir. Voilà, je suis content d'être ici. Je passe la main à Abbas. Bonsoir à tous. Donc, Mohamed Konaté, je suis actuellement à Clermont-Ferrand en France. Je suis ingénieur robotique vision artificielle. Donc, mon travail s'articule essentiellement à manipuler des robots et à mettre en place des programmes qui leur permettent d'interagir en fait avec le monde réel. Merci beaucoup Abbas, merci chers panélistes. Comme vous pouvez constater, ce sont des personnes avec des backgrounds vraiment différents. Je pense que ces différentes perspectives vont nous aider vraiment à comprendre beaucoup mieux le sujet. Comme le titre de notre panel, le sujet, peut-on prétendre à un développement durable en Côte d'Ivoire sans l'apport des STIM? On va commencer par définir les thèmes clés de notre thème, à savoir le STIM, développement durable et un exemple d'économie comme la Côte d'Ivoire qu'on appelle économie émergente. Et ce panel se veut quand même interactif. On s'attend à ce que vous posiez des questions. Ce sera un plaisir pour nous de vous répondre et ça va durer 1h30 en gros. Bon, on va commencer par les définitions. Je vais désigner Modeste. Selon toi, c'est quoi l'STIM? Comment tu peux expliquer ça à une personne? Alors, pour l'STIM, la notion de STIM qui est la plus connue et qui est très, qui est très répandue dans les pays d'Amérique du Nord surtout, c'est la version anglaise pour STEM. Où E, c'est Engineering pour l'ingénierie en anglais. C'est un terme qui est venu déjà, qui a commencé aux États-Unis et qui a été formalisé en quelque sorte. Et dans ce thème, ça englobe, comme il le dit, comme c'est signifié, les sciences, les technologies, l'ingénierie, les mathématiques. Il y a une petite nuance à faire là-dedans, c'est par exemple s'il y a des domaines, je vais parler par exemple de l'économie, qui fait par exemple appel aux mathématiques, ne font pas partie des STEAM. Et c'est un peu cette nuance-là qu'il faut voir. Donc c'est vraiment des sciences fondamentales, c'est-à-dire les sciences, les technologies productrices de nouvelles valeurs ou de nouveaux improvements, comme on le dit en anglais, l'ingénierie dans sa définition la plus classique et les mathématiques. C'est un peu ça, les STEAM.
D'accord. Merci Modeste pour cette belle définition. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde maintenant. On va passer à l'autre expression clé qui est développement durable. Est-ce que Abbas, tu peux nous expliquer un petit peu le développement durable? Alors, le développement durable, en fait, moi je dirais il y a deux termes. Il y a développement et il y a durable. Le développement, on va dire tel que tout le monde le connaît, c'est partir d'un point A et arriver à un point B qui est meilleur, en fait, selon une certaine valeur qu'on se donne. Pour un pays, ça voudra dire améliorer, on va dire, la qualité de vie de ce pays-là, typiquement. La notion de durable, en fait, on va dire qu'elle est nouvelle en griffe et elle vient surtout du fait qu'on est maintenant dans un monde qui est très clairement confronté à tout ce qui est problème de réchauffement climatique, de problèmes de ressources et autres. Et l'idée, c'est de se développer, mais pas comme avant où on pouvait prendre du charbon à foison et faire des usines, mais c'est de se développer en gardant quand même notre environnement intact ou en ayant l'impact minimum sur cet environnement-là. C'est comme ça que je définirais ça. Oui, je pense que c'est assez clair. Mais je pense que c'est très clair, mais je voulais ajouter un petit truc. On se focalise plus sur l'aspect socio-économique et environnemental, principalement dans le développement durable. Merci pour ta définition, Abbas. On va passer à l'expression suivante, qui est économie émergente. C'est un mot qu'on attend très souvent. J'aimerais que Aïcha nous explique qu'est-ce que tu comprends par économie émergente. D'abord, par économie, je vois comme économie se référer au budget national, au fait, au budget du pays, et puis aussi comment, au fait, on gère, au fait, les finances, au fait, du pays, et comment ça s'applique, au fait, à chaque aspect du développement de ce pays, en quelque sorte. Donc, une économie émergente, pour moi, ça sera une économie qui pousse le pays, c'est-à-dire un budget national qui pousse le pays, en fait, à se développer, et puis aussi à ne pas, en fait, ne pas en quelque sorte, je ne veux pas dire gaspiller, en fait, mais essayer de garder, en fait, ce budget-là stable, en quelque sorte, dans une période à long terme, en quelque sorte. C'est ce que je veux dire. D'accord. Merci beaucoup, Aïcha, pour ta définition. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter par rapport à ça. Par rapport aux trois thèmes, est-ce que quelqu'un voudrait ajouter des éclaircissements ou un petit point pour améliorer nos différentes définitions? Herman, peut-être? Ça va de mon côté. Je vais intervenir sur le point. Un petit truc, est-ce que tu pourrais arrêter de partager, s'il te plaît? Oui, tu as raison. Merci. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ouais. Moi, c'est assez clair. Peut-être juste compléter sur tout ce qui est économie émergente. C'est aussi la notion de partir d'un pays qui est normal et nominalement pauvre pour essayer d'avoir un pays qui commence à être développé, en fait. C'est juste ça que je voulais ajouter. OK. Et aussi, si je peux ajouter, il y a la notion d'émergent, comment dirais-je, par rapport aussi aux organismes internationaux, à savoir du genre avoir certains indicateurs macroéconomiques qui déterminent comme quoi qu'on est dans un élan de progression. Mais dans la notion d'émergence aussi, il faudrait, comme tu l'as dit, ne pas prendre seulement des indicateurs macroéconomiques comme le PIB, le PNB, mais aussi prendre des indicateurs sociaux, l'indice de développement humain et autres. Exactement. Mais il y a une définition structurelle vraiment derrière. Oui, définitivement. Merci beaucoup, Modeste. On va passer au premier point de notre débat, qui est l'impact actuel des STEAM dans l'économie de la Côte d'Ivoire. On va s'intéresser principalement à la Côte d'Ivoire, comme on avait dit. Comment actuellement vous mesurez un petit peu l'impact socio-économique et environnemental de ces différentes sciences fondamentales dans notre économie, bon, dans le développement de notre pays, pas uniquement économique? J'aimerais commencer par Emma. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? D'accord, j'attendais bien ça. Ah oui. Que je ne suis pas intervenu sur les autres points, voilà. Oui, exact. Donc, je pourrais un peu analyser l'impact de Steam, et je vais essayer de dire au système souvent parce que je suis un peu habitué à ça, sur le développement de la Côte d'Ivoire, enfin, la population ivoirienne. Je vais essayer d'utiliser les révolutions industrielles, en fait.
Parce que on compte par exemple quatre différentes révolutions industrielles. Par exemple, la première révolution, sûrement, je sais pas, au 19e siècle, au 18e ou 19e siècle, où on a parlé il s'est agi de mécanisation. On parle peut-être le symbole, là, on peut parler de steam engine. En quoi, c'est en français, c'est quoi? La machine à vapeur, ouais. La ma machine à vapeur. Après, on a eu la deuxième révolution industrielle où il y a eu, il s'agit de la mass production. La masse production, la production en masse et tout. Et là, on parlait beaucoup plus de la mécanisation des choses et tous les trucs. Moi, je crois que c'était la mécanisation et puis après, on a eu la masse production et tout. Et la troisième révolution, il s'agit beaucoup plus d'automatisation. On a parlé d'électronique et tous les trucs de télécommunication et tout ça. Et là, le mot qui ressort même de tout ça, c'est la révolution. Donc, du coup, il y a eu vraiment un impact révolutionnaire sur toute la population mondiale. Maintenant, en quoi est-ce que cela a affecté la population ivoirienne, la Côte d'Ivoire? C'est un peu là qu'il faut analyser. Donc, je peux dire que la majorité des choses de cette révolution qui commence à impacter les autres pays, mondialement, mais les pays développés, ça a un peu aussi impacté la Côte d'Ivoire parce que quand on parle de transportation, la transportation, on a aussi, qu'on appelle ça les engins en Côte d'Ivoire, on a les avions, on a aussi les voitures, on a aussi quelques industries, même si on n'est pas totalement industrialisé. Donc, du coup, on a les télécommunications aussi en Côte d'Ivoire, on a l'Internet et tous ces trucs. Donc, du coup, on ressent tout cela. Je ne suis pas obligé de développer exactement en quoi est-ce que ça impacte la personne lambda, mais tout le monde voit en quoi est-ce que ça impacte tout le monde. Un exemple, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de suivre ce live sur Facebook. Donc, je pense que c'est un impact direct de ces systèmes-là. Parce que quand on regarde ces révolutions derrière, il y a les mathématiques, il y a l'ingénierie, il y a la science, il y a, par exemple, la deuxième révolution, par exemple, on parlait des énergies. Donc, du coup, on voit la chimie, là, on voit toutes ces procédures-là. Donc, on voit toutes ces matières-là venir ensemble pour pouvoir faire avancer la race humaine en général. Et ça impacte aussi l'économie ivoirienne aussi, parce que, du coup, on produit beaucoup plus et tout. Donc, je ne vais pas m'étaler sur les carences. Sûrement, après, on va avoir l'opportunité de discuter de ça, mais on voit en quoi est-ce que ça donne une certaine révolution. Et je vais laisser donner la main à d'autres personnes de se focaliser beaucoup plus sur certains domaines beaucoup plus pratiques et voir en quoi est-ce que ça touche nos économies. Voilà. D'accord, Eman. Merci beaucoup. C'est un très bon point. Merci. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter par rapport à ce que Eman vient de dire? Peut-être sur un aspect plus social? Non. Ou il faut désigner? Non, François. D'accord. L'impact, par exemple, des Steam sur un aspect social, moi, j'allais parler directement des réseaux sociaux. Herman a donné un peu l'élan par rapport à cela, à savoir, maintenant, on est vraiment dans un village global, dans un village mondial. Et tout ça aussi, c'est l'essor des Steam avec l'émergence d'Internet dans les années 2000 et tout le boom qu'il y a eu aussi avec toutes les solutions qui ont été développées derrière. Et avec ce petit trait d'histoire aussi qu'Herman a dit par rapport aux révolutions industrielles, il faudrait dire aussi qu'on peut aller encore plus loin et voir que dans tout l'impact au fait d'une révolution en tant que telle ou bien d'un développement d'une civilisation, dans toute l'histoire de l'humanité, c'est fait avec un essor technologique. Soit on a commencé par exemple à utiliser des matériaux plus résistants. On a commencé par exemple à faire de l'acier, ça c'est dernièrement. Mais par exemple, avant, on utilisait du fer, du cuivre, du laiton. Et juste par cela, ça change complètement tout le tissu économique, au fait, tout le tissu économique et social. Et maintenant, tout ce système humain s'est reporté à notre époque et ça fait qu'on a les réseaux sociaux, on est en train de se faire une conférence avec des gens qui sont aux quatre coins du monde. Et c'est aussi ça aussi l'impact des styles. Merci beaucoup, Modeste. Mais j'aimerais un peu savoir, est-ce qu'il y a des impacts comme intellectuels? Est-ce que ça, il y a comme une évolution de l'indice, comme on appelle ça, IDH, indice du développement humain? Est-ce que vous voyez ce genre d'impact à travers ces différentes sciences fondamentales, je vais dire? Est-ce que vous constatez ça? Et peut-être je vais demander à Aïcha de nous expliquer. Est-ce que tu as des constats à faire à ce niveau? Bon, avant ça, je voudrais toucher sur ce que Herman a dit concernant les révolutions. C'est vrai, ces révolutions-là se sont déroulées, mais j'ai l'impression que
Lorsqu'il y a le boom de la révolution, en fait, dans un certain endroit, ça prend un certain retard avant de se concrétiser en Côte d'Ivoire ou bien dans d'autres pays d'Afrique. Mais comme on se focus sur la Côte d'Ivoire actuellement, ça prend du retard. Donc, ça fait que il y a des choses qui se passent dans l'immédiat et en Côte d'Ivoire, c'est comme si on est encore en retard, on est encore behind, en fait. Et c'est après quelques temps, après quelques années, qu'on commence à faire les choses basiques, en fait, qui ont été déjà faites, en fait, dans d'autres endroits. Et cela, c'est parce que même des personnes, en fait, de d'autres continents, de d'autres pays, en fait, viennent essayer de nous pousser, nous booster, en fait, à pouvoir implémenter, en fait, l'impact, en fait, ou bien les fruits de ces révolutions-là, en fait, en Côte d'Ivoire. Et concernant ta question sur l'impact intellectuel, je pense qu'il y en a, parce que s'il n'y avait pas d'impact intellectuel, je ne pense pas que nous, on serait là aujourd'hui, parce que l'éducation qui nous a été donnée, en fait, depuis le primaire et autres, je pense que ce sont des impacts intellectuels, au fait, d'estime, au fait, sur la Côte d'Ivoire. Et de nos jours, comme ça, je pense qu'il y en a encore plus, parce que on voit souvent des personnes, d'autres personnes qui font de la recherche, au fait, qui viennent de d'autres pays, qui sont d'autres origines, au fait, qui viennent en Côte d'Ivoire pour collaborer avec des personnes qui font de la recherche en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Et ça, c'est aussi un impact intellectuel qui est à considérer. D'accord. Merci beaucoup, Aïcha. Bah, quand on parle de développement durable, vas-y, Moulès. Je voudrais rebondir sur un point très intéressant qu'Aïcha a dit. Je vous informe, je vais beaucoup intervenir. Si, vraiment désolé pour rebondir sur vos points. Mais pour aller aussi dans le sens de Aïcha, de ce que tu as dit, il y a aussi l'indice de développement humain. En fait, il y a une recherche qui a été intéressante que j'ai lue. Je pense que peut-être je vais la partager en référence après. Il parlait de l'effet d'estime des pays où le pourcentage de personnes de la population exposée au stime est très élevé. Ces pays-là sont très rationnels dans leurs décisions politiques, au fait. Ça montre qu'au fait, c'est une corrélation dans un pays. La comparaison n'est pas raison, mais il semble que le fait de s'adonner au STEAM comme discipline arrive à toucher un peu l'esprit critique, la manière de penser, la manière d'aborder. Et c'est quelque chose que la logique, par exemple, mathématique, qui est bien définie, qu'elle soit axiomatisable ou pas, ou bien bon, dans les détails des techniciens s'ils veulent, mais il semble évident que pratiquer des STEAM à une échelle globale a un impact aussi global sur la population. Ça aussi, c'est un point que je voulais mentionner. Et de ce fait-là, ça permet aussi d'augmenter l'indice de développement humain. Une autre statistique pour terminer cette fois, par exemple, plus dans un pays il y a des STEAM, ça c'était dans les dernières statistiques de la BAD de l'évolution des STEAM en Afrique subsaharienne de 2003 à 2012, un document fascinant où on a regroupé en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est et tout. Et on remarque qu'au fait, plus les gens sont exposés au STEAM, plus il y a une certaine awareness par rapport à tout ce qui se fait autour. Et ça fait que le temps avec lequel les technologies arrivent devient de plus en plus réduit. Par exemple, le système de livraison. Moi, j'ai été surpris, j'ai fait un an. L'année dernière, je suis venu en Côte d'Ivoire, la livraison, c'était minime. Je suis arrivé en janvier de cette année, il y a des livrettes partout. La géolocalisation et tout, les gens maîtrisent ça en un claquement de doigts. Juste pour dire qu'aussi, il y a ce effet-là, ce petit effet levier. D'accord. Merci, Modeste. C'est un très bon point. Si on veut résumer, c'est que plus un pays est développé avec les STEAM, plus l'indice de développement humain aussi est grand, c'est ça? Je comprends bien. Je peux me faire l'avocat du diable ou pas? Bien sûr, tu peux parler. Pour quelqu'un qui bosse dans l'automatisation, on va dire à outrance, un impact aussi d'estime qui n'est pas négligeable, on le voit peut-être moins dans un pays comme la Côte d'Ivoire, mais on le voit assez en Europe, c'est que c'est aussi des technos qui ont tendance à réduire le besoin d'emploi des gens, en fait. Typiquement, moi, je fais de la robotique. Mon travail n'est pas de créer des emplois où des personnes vont venir travailler, en fait. Souvent, quand on met un robot, on remplace deux, trois personnes derrière. Donc, les STEAM ont
dans l'histoire de l'humanité, en fait, elles ont beaucoup, comme Evan disait, elles ont canalisé un certain nombre de changements, mais il ne faut pas oublier aussi que ces changements-là sont venus aussi avec des réductions assez fortes de charge de travail finalement pour les humains, en fait. Jusqu'à présent, c'était intéressant parce que ça nous a libéré de tâches en griffes qu'on n'aimait pas faire, typiquement. Donc, la voiture, par exemple, c'est toujours plus confortable de prendre une voiture pour aller à un endroit que de marcher. Ça, c'est bien. Quand on est dans une usine et qu'on est en train de faire une tâche manuelle que derrière on met un robot, c'est plus du tout le même rapport à ça, en fait. Donc, pourquoi j'en parle? C'est qu'en Côte d'Ivoire, on est, comme Aïcha disait, on a un train de retard sur tout. Donc, on est plus ou moins dans une révolution dont Eman n'a pas parlé, je pense, mais je sais qu'il est au courant, qui est la nouvelle révolution, en fait, qui est vraiment, les machines commencent à en griffe penser, en fait. Pas penser au sens Terminator, mais on peut leur inculquer une certaine raison. Ce qui fait que elle commence à, on va dire, rogner sur là où les êtres humains étaient un peu tranquilles. Donc, si on, typiquement encore, si l'estime, en fait, on ne s'y intéresse pas, ces stimes-là en particulier, on va se retrouver un jour avec des gens qui seront inutiles, en fait, parce qu'il y aura des machines qui auront été créées qui suppriment totalement leur boulot, en fait. Donc, c'est toujours dans le sens que ça améliore, mais il ne faut pas trop prendre de retard, quoi, parce que derrière, on peut avoir un contre-coup assez fort, en fait. Merci. Merci, c'est un très bon point. Mais j'aimerais aussi souligner, est-ce que c'est pas... Eman, vas-y, tu veux parler? Bon, si ça va directement dans le sens d'Abbas, tu peux répondre, mais je voulais mettre un point sur un autre truc. Oui, c'est dans le sens. Abbas disait que ça supprime des jobs, mais est-ce que ce ne sont pas des jobs qu'on appelle peut-être ingrats ou que personne ne veut faire vraiment, qui sont supprimés? Est-ce que ça ne mise pas plus des jobs plus intellectuels où les gens vont s'épanouir? Est-ce que c'est vraiment négatif? Est-ce que c'est vraiment négatif, en gros, c'est ça? Moi, en fait, là, on rentrera dans un débat plutôt social, en fait. C'est, Oui, c'est vrai. c'est, 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 en fait, je suis d'accord avec ça, en fait. C'est moi, par exemple, ce genre de travail que ça va supprimer ne m'intéresse pas de base, parce que c'est des travaux, on va dire, de griffe manuelle. Et on va dire, je suis beaucoup plus scientifique, j'aime jouer mes maths et tout. OK. Par contre, il y a bien des personnes qui aiment ce genre de boulot-là aussi, parce Oui, c'est vrai. que ça les rend plus libres, en fait. Le gars, il n'a pas besoin de se casser la tête au travail. Donc, il y a forcément un impact négatif sûrement pour lui, positif pour moi qui suis le concepteur, par exemple. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a toujours un contre-coup, en fait. Je veux ajouter un point par rapport à. Je Ouais. veux me remettre ça en contexte, s'il vous OK, un plaît. point rapidement, Maudia, s'il te plaît. Rapide. En fait, dans l'histoire, il y a eu toujours des révolutions. Mais il y a un facteur, je pense, qu'il faut mettre aussi en avant, c'est la capacité d'adaptabilité de l'homme. Ce qui fait que à chaque fois qu'il y a une révolution, il y a des jobs qui tombent, mais il y a des gens qui trouvent un autre job à faire. Il y a des jobs qui n'existent plus aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, ce sera toujours la même chose, mais il y aura une transition. C'est juste que je voulais mettre cet aspect aussi en perspective. C'est définitivement vrai parce qu'il y a beaucoup de nouveaux métiers qui existent maintenant et dans 20 ans, il y aura vraiment encore beaucoup plus, peut-être 50% encore, que ça va augmenter en fait. Eman, tu voulais acheter quelque chose? D'accord, merci. Je vais rapidement passer sur ce point et puis je vais discuter du point que je vous ai dit. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est bon et tout, mais nous sommes dans une catégorie de personnes privilégiées qui avons des skills, des trucs. Donc, on ne peut pas forcément ignorer. Je prends un cas particulier, une dame qui est su, par exemple, un monsieur qui est su dans une usine. Ils n'ont pas forcément de compétences. On a beaucoup comme ça en Côte d'Ivoire. Après, on crée un robot qui va peut-être faire son travail. À la fin, le gars, sur le coup, lui, il a perdu son travail. Il ne peut plus nourrir sa famille. Donc, il y a vraiment des implications sociales à grande échelle. Donc, maintenant, du long terme, on sait que dans le long terme, l'humanité va progresser. On va peut-être faire les trucs d'AI, tous les trucs comme ça, il y a ces points-là. Mais il ne faut pas oublier pour moi ces implications sociales importantes pour nous aujourd'hui. Et puis, l'autre truc, c'est que je ne dis pas forcément qu'il ne faut pas faire ça, mais on va avancer tous les trucs. Quand même, là, la première révolution, les voitures sont venues, les chevaux ont disparu et tous les trucs. Donc, je suis d'accord avec ces points-là. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne doit pas y être. Si on ne le fait pas, d'autres personnes vont le faire à notre place. Donc, on doit le faire pour savoir même comment est-ce qu'on va bien gérer. Donc, ça, c'est mon point de vue là-dessus. Maintenant, merci à Baz d'avoir mentionné la quatrième révolution. Je voudrais vraiment mentionner, mais j'ai oublié peut-être inconsciemment parce que toutes les autres révolutions, on parle de ça après que ce soit fini. Mais nous, la quatrième révolution, on parle vraiment beaucoup de ça avant que ça n'arrive. Alors que personne ne sait exactement ce que ça va être. Donc, c'est un truc intéressant à côté.
Mais par rapport à l'impact de tout ce truc-là sur la Côte d'Ivoire, je voulais prendre un domaine important aussi. On a parlé de la technologie, Modeste a parlé un peu de la livraison des trucs. Mais l'agriculture qui touche un peu 20% de notre population, par exemple. Enfin, je dirais, c'est 20% de notre PIB. Quand on prend ça, est-ce que vraiment on a mécanisé notre agriculture? Alors que la mécanisation est passée vraiment il y a longtemps. Et si on arrive à faire ça, l'impact que ça va avoir sur notre économie, c'est grand. Aujourd'hui, quand on prend la transformation de nos produits, là, les produits finis du cacao, on fait en dessous de 5%. Les semis finis, peut-être on fait juste à 35%. Et juste la première transformation, c'est 40%. Et on regarde la chaîne de valeur qu'on pourrait créer si on applique vraiment les STEM pour pouvoir, on applique nos minds, pour pouvoir transformer les trucs, on va créer les services à côté et tous les trucs. Ça va vraiment augmenter notre économie parce que de 20%, ça va être au-delà. Et nos planteurs et toutes ces personnes-là vont en bénéficier. Donc, je pense que c'est pour dire qu'on en a bénéficié, mais il y a vraiment beaucoup, encore plus de potentiel à exploiter pour notre pays et ça va affecter tous les autres domaines. Si l'économie va bien, on aura peut-être plus de stabilité. Si l'économie va bien, on aura peut-être beaucoup plus une meilleure santé. On va pouvoir bien distribuer nos trucs et même investir encore plus dans le STEM pour faire beaucoup plus de recherches, pour être même au cutting edge, pour qu'on compétisse contre les autres. Parce que quand tu as faim, tu ne peux pas mettre tout ton budget dans, comment on appelle ça, la recherche. Donc, il y a un certain nombre de trucs qu'il faut considérer, mais je pense qu'on doit vraiment nous rattraper déjà pour les trucs qu'on a déjà manqués. Donc, c'est ce point que je voulais souligner. Ouais, merci beaucoup, Herman. En fait, c'était un point qu'on allait vraiment aborder, là, mais très bien On a d'avoir commencé à répondu. brosser. Il a très bien répondu, puis c'est très bien. Bah aussi, on ne peut pas parler de développement durable sans parler vraiment d'environnement aussi. Et on constate aussi qu'en Côte d'Ivoire, vraiment, je pense que c'est un truc qu'on ne respecte pas vraiment. Il y a beaucoup de déforestation, il y a beaucoup de ce genre de trucs. Est-ce que vous pensez qu'ils ont un impact vraiment sur notre développement économique actuellement? Je vais peut-être passer à Bach, il n'avait pas répondu la dernière fois, je pense. Bah, je t'avais pas interrogé, en fait. L'impact de toute cette déforestation-là sur notre économie actuelle, je pense que on a un peu, on déplace le problème. On commence à le voir. Je ne vais pas parler de la déforestation, mais par exemple de tout ce qui est érosion côtière. Ça, on commence à le voir là, que la montée des eaux commence à rogner de plus en plus sur tout ce qui est toutes nos côtes, en fait. Et en fait, l'environnement, c'est un truc qui a été nié par tout le monde, en fait, jusqu'à peut-être le, en fait, c'est peut-être le Covid, en fait, qui va faire prendre conscience à tout le monde. Mais des grands pays jusqu'aux petits, en fait, tout le monde s'est dit, ouais, bon, on n'a déjà pas à manger, on va pas commencer à trier ce qu'on va casser, en fait. Et pour moi, ça va être un problème. Ça n'est pas eu encore, peut-être parce que les gens, comme Herman disait, quand on a faim, on ne s'occupe pas de tout ça. Mais on est dans un monde qui est globalisé maintenant, où, en gros, tout ce qu'on fait maintenant est checké par tout le monde. Donc, si on continue à déforester chez nous, on va avoir déjà des conséquences immédiates qui vont être que le désert va avancer, par exemple. On va avoir moins de ressources, en fait. Surtout qu'on transforme rien pour l'instant, en tout cas dans une très petite mesure. Donc derrière, on vend tout à l'étranger. Donc finalement, ces personnes-là, eux, ils vont garder leurs ressources sur place et préférer payer chez toi, en fait, qui déforeste. Tu es content en tant que pays de pouvoir vendre ton produit, mais sur le long terme, en fait, ça nous désavantage. Parce que dès l'instant qu'en fait, on n'aura plus rien à vendre, on a deux problèmes. On n'a plus d'argent et on n'a plus de forêt. Donc, finalement, je pense que c'est un problème qu'on met sous le tapis pour l'instant parce qu'on essaie de se développer, mais qui, pourtant, il faut se forcer à faire parce que sinon, ça va être un contre-coup assez violent, en fait. Définitivement, oui. Voilà. Je Parce que peux les ressources ajouter sont un point. limitées, il faut, à un moment donné, ça va finir. C'est pas infini, les ressources. Voilà. Donc, ouais. Ouais, Modeste, un point rapidement, s'il te plaît. D'accord, je voulais aller dans le sens d'Abbas aussi. Et il y a aussi un grand leurre qu'on essaie, qu'on se dit, je ne sais pas, mais il y a beaucoup d'économies, surtout africaines, qui se disent. Je dis que quand il y a des gens qui ont faim, on ne peut pas faire un certain nombre de choses. Je suis complètement d'accord, il y a un minimum clé à avoir. Mais il n'est pas impossible que des gens misés dans l'estime soient la solution pour. Comment dirais-je, pour avoir des travaux stables, pour avoir des jobs stables, pour avoir du genre une économie,
une économie plus saine pour avoir, par exemple, plus de gens qui sont disciplinés et autres. Parce que, en fait, il faut pas. Moi, c'est ce que j'ai remarqué dans les théories de changement, parce qu'il n'y a pas vraiment une manière de changer juste. Il y a des théories de changement. Dans les théories de changement qui sont utilisées, en tout cas en Côte d'Ivoire, puisque j'ai pris la peine de regarder dans l'éducation déjà, la théorie de changement dans l'éducation ivoirienne, il n'y a pas de mot STEAM. Je n'ai absolument, personnellement, je n'ai pas vu une pensée politique au niveau du genre de, je dirais, du second, avant l'université, qui soit orientée STEAM. La dernière chose qui a été faite et qui est salutable, et moi j'ai adoré, c'est le fonds STEAM, par exemple, qu'ils ont essayé de mettre en place par rapport à des, pour promouvoir à peu près la science et la technologie. Ça, c'est un premier pas. Mais le problème, c'est que s'il n'y a personne qui a été formé depuis la base première, du genre au jardin, par exemple, pour pouvoir avoir cette inspiration-là, et que du genre les modèles qui sont mis en avant, désolé de le dire, mais on sait quel type de modèles qui sont mis en avant dans notre société, comment on va pouvoir utiliser ça comme levier? Au fait, c'est de cette manière que moi, je pense, d'essayer de voir le problème plutôt dans sa globalité et de dire qu'au fait, on peut utiliser ça comme levier de développement. Et c'est un point que les gens ne prennent pas en compte. C'est vraiment, à mon sens, déplorable. Oui, merci, Maudet. C'est une très belle transition parce que c'est de ça qu'on allait parler tantôt. Et STEAM comme moyen de développement durable. Bon, avant d'y aller, on a une question de Cyril Wambon-Siloué qui pose cette question. Selon vous, le retard dans le développement industriel de notre pays n'est peut-être pas dû à l'exil de nos ingénieurs dans des pays plus développés ou le fait qu'ils travaillent pour des multinationales qui privilégient leurs intérêts propres. Beaucoup accusent les autorités politiques, mais pour qui vivons en permanence en Côte d'Ivoire, les STEAM sont plus appliqués pour la distribution et non à l'élaboration des ressources premières qui garantissent un développement durable. Ça, c'est la question de Wambon Siloué Siré. Qui voudrait répondre? C'est une question qui nous touche particulièrement, je pense. Mais... je vais commencer. Oui, vas-y. merci, Cyril. C'est ironique parce que ton frère, il a mis encore une autre précision pour dire, petite précision, je ne veux juste pas descendre du boulot avec mon frère jumeau. Ça me touche particulièrement parce que j'ai été formé, comme la majorité d'entre nous, au lycée scientifique et tout, avec la bourse de l'État et tous les trucs. Je suis venu en Afrique du Sud, bon, pas avec sur la bourse de l'État. Et là, je suis en train de travailler en Afrique du Sud. Ça me touche aussi quand je vois beaucoup de mes amis qui sont partis avec des bourses d'État et tout le monde commence à travailler à l'extérieur et tous les trucs. Il y a, donc, c'est un problème au-delà de nous. C'est plus grand en Afrique, en Côte d'Ivoire. Il y a la fuite des cerveaux. Et en préparation de ce live, je pensais vraiment à ça. Peut-être on va arriver à la mi-temps, on est un peu trop tôt, mais dans les solutions, je crois que c'est l'un des trucs. Il ne s'agit pas d'indexer l'État, il y a la fuite des cerveaux, mais il faut se poser la question, pourquoi est-ce que les gens fuient? Pourquoi est-ce que Abbas est en France au lieu de retourner à Abidjan? Pourquoi est-ce que Siloué est à Bobo? Pourquoi est-ce que je n'ai pas venu travailler en Côte d'Ivoire au lieu du Maroc et Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud, partout? Donc, c'est ça le réel problème. Il y a un problème qu'on appelle ça de patriotisme pour dire que il y a le pays et tout. Mais au-delà de ça, il y a un problème d'intérêt individuel aussi. Est-ce que c'est mieux pour moi de repartir? Bon, moi, personnellement, j'ai la volonté de repartir, travailler en Côte d'Ivoire. Je voudrais peut-être avoir de l'expérience et tout. Mais le problème réel, on ne commence pas en Côte d'Ivoire ou bien on reste dehors parce que l'écosystème n'est pas forcément ce qu'il faut. À une petite élection, peut-être, il y a des problèmes. Au-delà de cela, quelles sont les industries qui sont là-bas? Est-ce que je vais pouvoir appliquer les compétences que j'ai apprises d'ailleurs? Si, par exemple, je suis intéressé par l'intelligence artificielle, la machine learning, est-ce que je vais partir dans une entreprise en Côte d'Ivoire? Est-ce que je ne vais pas travailler seulement sur Excel? Je ne vais pas faire des trucs d'analyse? Est-ce que je vais construire vraiment des modèles et tout ce truc? Et au-delà, il y a un écosystème qui n'est vraiment pas créé pour maintenir forcément les gens. Donc, je pense que je ne veux pas indexer. C'est vrai qu'il y a un sens de patriotisme, de vouloir rester au pays, de travailler pour les trucs en Côte d'Ivoire et puis aussi de pouvoir travailler nos matières premières. C'est une question qui est au-delà. Et moi, personnellement, sur là, je voudrais que ça se focalise sur nous, ce qu'on peut faire à notre niveau. On va parler, peut-être que l'État ne va vraiment pas dire grand-chose. Donc, je vais devoir me focaliser sur ce que nous, je peux faire à mon niveau. Qu'est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent faire?
mais on peut, il y a l'État qui a sa grande responsabilité parce que c'est à eux de créer cet écosystème-là, de créer, qu'on appelle ça, les inébles, pour que les gens puissent rester, pour qu'ils aient de l'innovation, pour que notre éducation puisse inciter à cela et tous ces trucs. Donc, c'est un peu ma réponse. Je sais que les autres ont leur point de vue là-dessus, mais il y a beaucoup de problèmes qui font qu'il y a des gens qui n'ont plus de cerveau. Mais c'est vrai que c'est réel, que c'est un problème qu'il va falloir résoudre si on veut développer nos systèmes et puis nos industries et tous ces trucs-là. Je suis définitivement d'accord avec toi, définitivement. Mais il faut aussi dire aussi que souvent, il n'y a pas de politique de retour du gouvernement. Pour les gens qui ont des bourses, ça n'existe quasiment pas très souvent. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter. Moi, je suis d'accord avec Aïcha. Vas-y, Aïcha. En fait, tu parlais de politique de retour, en fait, et moi, je pense que la politique de retour doit être aussi liée aux opportunités qui sont là-bas, parce que pas avoir juste une politique de retour et amener tout le monde à retourner et il n'y a rien à faire, tu vois. Et donc, excusez-moi pour le bruit. Donc, s'il y a une politique de retour, il doit aussi avoir une politique aussi pour les opportunités. Donc, les personnes viennent et on leur permet, comme Herman a dit, on prépare l'écosystème pour qu'ils puissent en fait s'intégrer et pouvoir faire ce pourquoi ils se sont formés, parce que tu ne peux pas avoir une certaine formation et venir faire quelque chose d'autre. Par exemple, moi, dans mon cas, dans le cas de la géophysique comme ça, actuellement, je ne vois vraiment pas d'opportunité ivoirienne en tant que telle. Peut-être que ce sera des opportunités étrangères, c'est-à-dire internationales, des multinationales avec qui je peux voir si je peux intégrer leur compagnie et essayer de travailler avec elles. Mais en tant que genre des opportunités ivoiriennes même, je ne vois vraiment pas. Donc, ce n'est pas seulement des politiques de retour qu'il faut essayer de voir, mais aussi des politiques d'opportunités. Je suis totalement d'accord. Je me dis peut-être qu'il y a un manque de réflexion sérieuse sur la question, parce que quand tu donnes des bourses aux gens, c'est pour combler quelque chose dans l'avenir, je pense. Puis quand il n'y a pas de politique de retour, c'est comme il n'y a même pas de politique de bourse. Peut-être qu'on donne pour donner, peut-être qu'on donne pour sortir certaines personnes de la pauvreté, mais il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser sur tout ce qui entoure l'écosystème des bourses en Côte d'Ivoire. Il y en a vraiment beaucoup, mais derrière, il n'y a vraiment rien. Ok, Herman, tu voulais parler? Un point rapide, c'est dit que les pays où nous sommes là, eux aussi, ils ont des politiques de rétention des gens. Ouais. Donc, c'est exactement ce que je voulais rebondir. En fait, je voulais dire, en fait, il y a fuite. Alors, vas-y. Parce que, en fait, il y a une fuite parce qu'il y a un endroit où on veut, en fait. Exactement. En fait, mais est-ce qu'on veut plus de nous ailleurs que chez nous? Ça, la question, pour moi, c'est un exemple que je vais donner. Quand j'étais en école d'ingénieur en troisième année, j'avais plein d'amis chinois qui avaient fait le même master que moi. Et pendant que tout le monde cherchait du boulot, eux, on leur envoyait un flyer qui était le salon du recrutement de la Chine en France. Donc, il y avait plein d'entreprises chinoises qui étaient venues faire un salon en France et qui avaient contacté ces personnes-là pour venir. Alors, je peux te dire qu'il n'y en a pas un seul qui bosse ici. Hein. Ils sont tous repartis. Ils sont repartis parce que les entreprises qu'il y avait là-bas, en fait, là, sont, on va dire, en développement, mais elles ont des thématiques assez proches de ce qu'ils trouveraient, en fait, en France ou ailleurs. Donc, c'est en développement là-bas. Le gars, même s'il n'est peut-être pas payé comme en France, il sait que c'est un truc qui se développe. Donc, c'est simple. Quand quelque chose se développe, si tu es au départ, tu en profites plus tard, en fait. Et c'est le genre de choses, par exemple, qui n'existent quasiment pas dans nos pays, en fait. En tout cas, en Côte d'Ivoire, moi, quand je cherchais du boulot, c'est un gros mot, mais j'ai fait l'effort d'aller regarder en Côte d'Ivoire ce qui existe. Donc, j'ai fait un stage de 4 mois, en fait, en Côte d'Ivoire. Et je peux te dire que quand j'ai fini le stage, je n'ai pas voulu bosser en Côte d'Ivoire, en fait. Je n'ai pas voulu bosser en Côte d'Ivoire à cause des Ivoiriens. <En fait. rire> Pour faire clair, en fait, c'est que la manière dont les gens travaillent là-bas, c'est aberrant. Les gars, ils viennent à l'heure quand ils veulent. Tu as l'impression que le travail est secondaire pour eux, en fait. Donc, ils viennent, ils font ce qu'ils veulent d'abord avant de travailler, en fait. C'était la foire. Il fallait que le patron arrive pour que les gens commencent à bosser, quoi. Et moi qui venais de France, en fait, je me trouvais bizarre parce que j'étais le seul à bosser finalement. Quand j'ai fini ça, j'ai dit, OK, c'est simple. Hein? Je ne vais pas venir d'un endroit pour me casser la tête pour travailler alors que d'un autre côté,
je suis demandé, de toute façon, je suis un endroit qui est très difficile pour trouver de l'emploi en Côte d'Ivoire, mais ne serait-ce que ça, en fait. On ne reste pas en Europe juste parce qu'on est bien payé, par exemple. On a toutes nos familles en Côte d'Ivoire, en fait. On a envie de les voir tous les jours. Mais c'est juste que si on repart, en fait, on sera limite malheureux, en fait. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est ça. Parce que travailler avec des gens qui ne veulent pas travailler, ce serait une dépression pour moi. D'accord. Merci, Abbas, pour ton point. Vas-y, Aïcha. Moi, je crois aussi vraiment que étant loin du pays aussi, étant travaillant dans d'autres pays, je pense que de là, tu peux aussi avoir un certain impact aussi sur ton pays. Ce n'est pas seulement en étant dans le pays au fait que tu auras forcément un impact. Même de loin, tu peux toujours avoir un certain impact sur ton pays. Définitivement. OK. On va passer au Juste, prochain je... point. D'accord, Peut-être très passons, passons. rapidement. On peut passer. Non, Vas-y rapidement. non, je vais prendre la casquette du méchant. En fait, je suis bien d'accord avec tout ça, mais si tout le monde se met dans le même système de pensée qui est dit, il n'y aura personne qui va faire, au fait. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, Non, il mais n'y les a gens personne qui aussi reviendra. On est cherchent bien une... d'accord. Ouais. Mais les gens cherchent quand même une certaine forme de stabilité quand même dans leur vie, tu vois. Tu vas D'accord, pas aller dans un je suis d'accord. pays où tu n'as Je suis pas de d'accord. possibilité d'avancement de carrière où Non, tu c'est es dans juste pour une dire un point. insécurité totale. Oui. La chose qu'il y a, le deuxième point qu'il y a aussi, il faut voir aussi les actions que le gouvernement a fait. Et je mets, je soulève, c'est complètement apolitique ce que je vais dire. De ce Très qui a été rapidement, oui. dit, ce qui a été dit et ce que le gouvernement est en train de mettre ce genre d'écosystème-là. Le gouvernement a dit vouloir mettre ce genre d'écosystème-là. Moi, ce que je veux dire, c'est que, bon, nous qui sommes dehors et qui voulons rentrer, là, il faudrait qu'on soit. On ouvre les oreilles et les yeux pour pouvoir essayer de saisir ces opportunités-là pour et peut-être venir faire de la Côte d'Ivoire le premier pays d'estime en Afrique. Voilà, c'était mon point. C'est notre souhait, Modeste. On va passer au prochain point qui estime comme moyen de développement durable d'un pays. On va s'intéresser principalement à notre pays. La première question, c'est pourquoi vous pensez que c'est vraiment indispensable d'intégrer ça dans notre société pour notre développement en général? Quelqu'un peut répondre à cette question. Modeste, vas-y, je peux continuer. En quoi c'est indispensable, l'estime? On peut faire autre chose là, mais pourquoi forcément STEAM pour un développement durable? Parce que, en tout cas, jusqu'à ce que en tout cas, de ce que je sais, il n'y a jamais eu dans l'histoire une civilisation qui s'est développée, qui a conquéri, qui est allée quelque part sans une évolution technologique ou une connaissance particulière qui a un avantage concurrentiel. Que ce soit mathématiquement, que ce soit, disons, stratégiquement, il y a forcément un avantage concurrentiel. Mais l'avantage concurrentiel le plus clair qui a fait que du genre. Désolé de ramener ça sur la table, que la colonisation a été facile pour les Européens parce qu'ils avaient des armes à feu et que nous, on avait des flèches et des lances. C'est vraiment ce genre de turning point qu'il y a. C'est à cause de ça que lorsqu'on regarde dans l'histoire ce qui s'est déjà passé dans l'estime et qu'on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire même contemporaine qui est là, qui fait que un pays comme la Corée, qui est petit avec un nombre insignifiant d'habitants comparé à d'autres pays, arrive à dégager un PIB incroyable. Il n'y a pas de les terres arables, il n'y a presque rien là-bas. La technologie qui est développée, c'est ça qui fait leur PIB. Et du genre, ils ont fait en sorte, pardon, que leur système éducatif, le système économique, l'écosystème de partenariat international fonctionne pour que la technologie soit un clé, soit la, pardon, la clé du genre de leur un boost technologique, de leur boost économique. Et de ce fait-là, en comparaison n'est pas raison, bien sûr, il y a aussi certains autres pays, comme je dirais l'Inde, par exemple, qui prouvent encore que cette orientation vers l'estime-là est vraiment une voie, peut-être la voie principale. Et il y a l'histoire aussi qui appuie avec des arguments conséquents pour dire comme quoi que investir dans l'estime, investir dans un écosystème, je précise, où l'estime sont au centre, est vraiment un facteur de développement. De développement, un facteur précision. Merci. Donc, si on t'entend bien, l'estime, c'est comme indispensable au développement durable d'un pays. Et je suis tout à fait d'accord avec toi aussi. OK, bon, on va passer à la prochaine question. Est-ce que vous pensez que pour la diversification d'une économie, l'estime sont comme indispensables?
on ne peut vraiment pas parler d'une économie solide, stable et sans diversification de ses richesses. Je vais donner cette question à Bas. Est-ce que tu penses que la diversification, c'est indispensable? Se diversifier dans ce qu'on fait, je pense que c'est une sorte de gage de stabilité, en fait. Parce que si on va dire on est lié à une seule chose, si cette chose-là n'existe plus, en fait, ou si on n'en a plus besoin, c'est comme si on n'a rien, en fait. Et ça on peut le voir, je sais pas, si je prends par exemple l'exemple du pétrole actuellement. On a des pays qui sont immensément riches à cause du pétrole, typiquement les pays d'Arabie. Leur richesse, ils étaient très pauvres avant, déjà. Pourquoi ils sont devenus tout d'un coup riches? Parce qu'on a découvert, grâce aux sciences et aux technologies, que le pétrole était important. On a cherché où il y en avait, c'était chez eux. Bingo, ils sont devenus riches. Aujourd'hui, la tendance est au contraire, en fait, c'est de se dire, bon, en fait, on ne veut plus de pétrole. Donc, c'est simple. Si ces gars-là, ils étaient restés sur... uniquement sur ce créneau-là, en fait, immédiatement, en fait, dès l'instant qu'on trouve un matériau qui permet de faire une batterie qui dure longtemps, et bah, c'est terminé, en fait. Eux, ils n'ont plus d'économie. Donc, mais on peut le... ces pays-là, dès maintenant, en fait, ils ont commencé à investir justement dans ces technologies qui allaient, en fait, remplacer ce qu'ils ont, en fait, actuellement. Si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, la première ressource, c'est le cacao, en fait. On est d'accord. Aujourd'hui, le cacao est prisé par tout le monde. Si dans 10 ans, ça devient, il y a tellement de, je ne sais pas, pour une raison X ou Y, on ne mange plus autant de cacao. Donc, immédiatement, nos recettes vont baisser. Avec le volume qu'on produit là, en fait, on ne pourra pas les vendre cher. Donc, on va se retrouver avec un pays dont la première ressource, finalement, ne vaut plus rien en griffe. Donc, il n'y a plus d'argent qui rentre dans le pays. Immédiatement, on va devenir pauvre. Donc, ça montre bien, en fait, que il faut se diversifier de base, en fait, pour pouvoir, en fait, survivre. Et se diversifier, souvent, ça passe par la science, en fait. Parce que c'est quand... il y a l'ancien PDG de Michelin qui disait « C'est quand ça va bien qu'il faut changer. » En fait, c'est quand ça va bien, finalement, qu'il faut chercher des débouchés ailleurs, parce que ça n'ira pas bien tout le temps, en fait. Et donc, l'idée est là, c'est que les teams sont, par excellence, en fait, le moyen de se diversifier, finalement. Donc, pour moi, c'est archi important d'investir là-dedans, surtout quand on a une économie qui est basée sur un seul truc. Je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Bon, je n'ai vraiment pas de point de vue qui va contre ça. Il faut diversifier. Il y a beaucoup d'exemples en finance, même quand on est en train de faire les investissements, c'est ce qu'on dit. Au niveau du pays, il faut exactement faire ça. Je suis d'accord avec le fait que la diversification, enfin, les teams font partie d'une grande partie. C'est pas ça qu'il faut passer. On voit ça en économie aussi. On dit que non, s'il y a un choc extérieur, qu'on a des inventions et tous les trucs, on peut donner des exemples en quoi est-ce que ça va améliorer les trucs. J'ai parlé du cacao, qu'on va créer la chaîne de valeur, ça va créer d'autres boulots et tous les trucs. Ça va améliorer les services, s'il y a de l'innovation. On va voir tout ce que ça va venir, tous les petits trucs qu'on va avoir en technologie, on va les trucs qu'on va avoir pour construire les... pour construire, si on veut parler de construction, si on veut parler de tourisme, pour développer notre tourisme, on doit utiliser tous ces trucs-là. Il y a des gens qui vont juste pour les trucs d'architecture. Quand on parle d'architecture, on va parler de nos civil engineers, on va parler de tous les architectes et tous ces trucs-là. En bas, il y a les mathématiques, il y a tous ces trucs. Il faut aussi développer des gens qui ont ces, comment on appelle ça, ont les compétences qu'il faut. Donc, je pense que c'est vraiment un truc indispensable. Il n'y a pas vraiment un point de vue contre ça, quoi. Je suis totalement d'accord. D'accord. Merci, Aman. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter, peut-être? Non? J'aimerais qu'on parle maintenant de l'économie du digital. Et est-ce qu'on peut nous expliquer un petit peu l'impact que ça peut avoir peut-être sur pour un développement durable pour un pays, par exemple, le commerce en ligne et toutes ces affaires? Est-ce que, Aïcha, tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça peut être indispensable aujourd'hui comme dans l'avenir, c'est tout? Mais déjà, on le voit et on le voit comment ça impacte au fait le commerce, comme tu l'as dit, avec les ventes en ligne et puis aussi les advertisements, les publicités en ligne aussi qui permettent de rassembler plus de personnes au fait. Par exemple, pour des compagnies
pour pouvoir toucher en fait une grande population, une population aussi vaste en fait. Ils ont recours à Facebook maintenant, on le voit de plus en plus, et d'autres réseaux sociaux. Et pour cela, je pense que cette redynamisation en fait du digital en fait à travers les Steam aussi peut aussi impacter vraiment en fait le développement durable en fait s'il est bien utilisé en fait parce que souvent il peut ne pas être bien utilisé en fait et mener à d'autres trucs en fait d'autres issues en fait d'autres problèmes quelque sorte. C'est très important ce que tu as dit à la fin, si c'est bien utilisé, parce qu'il y a vraiment des problèmes de data de nos jours. Puis je lisais un article très récemment qui disait que si les États ne prennent pas la responsabilité, l'identité numérique des pays africains seront dans les mains de Google et Facebook. Actuellement, peut-être, on ne sent pas vraiment ce genre d'impact des données des pays africains parce que le marketing digital, c'est pas vraiment beaucoup utilisé. Peut-être. Au moment où on va commencer à l'utiliser, on ne pourra plus rien faire. Notre identité sera vraiment dans le main. On sera comme des petits robots là, fait comme ça, et puis on te donne ce que tu veux. Qu'est-ce que vous en pensez sur ce point? Et j'aimerais donner la parole à Modeste. Il n'a pas encore parlé. Puis il est calme là. Vas-y. En fait, c'est pas trop mon domaine, c'est pas trop mon domaine. Donc, je OK. laisse les gens qui sont du domaine. Il y a des gens qui sont du domaine pour parler. Mais effectivement, comme tu as Définitivement. dit, il y a, comment dirais-je, il y a vraiment ce problème de sécurité déjà. Ça, c'est d'une part de sécurité. Et la deuxième chose de prise de conscience au fait digital. Et pour exemple, je voudrais citer le cas des élections qui se sont passées. Dans ces élections, il y a eu foison de fake accounts, de fake news et autres. Les gens ne sont pas conscients, au fait, je pense qu'ils sont conscients de l'impact du digital, mais ils ne sont pas au fait conscients du fait que c'est au fait une partie de la vie réelle maintenant. Ce n'est plus maintenant une considération comme on le faisait il y a 10 ans de cela. On disait non, c'est le monde virtuel. Ce qui se passe dans le monde virtuel, c'est le monde virtuel. L'impact est réel. Quelqu'un invente une rumeur. Dernièrement, ils ont inventé une rumeur comme quoi sur Twitter, que, il y a un attentat à une tour du plateau. Le plateau s'est vidé. Le plateau s'est vidé complètement pour la mort du regretté Premier ministre. Juste après, ils ont lancé des rumeurs comme quoi qu'il y a la grande chancelière qui est décédée, il y a Patrick Hachi qui est dans le coma. Les gens sont conscients de cela. Mais en fait, je dirais la maturité, l'éducation nécessaire pour cela, ce n'est pas fait. Et ça revient encore au Steam. Si depuis très petit, à des âges très avancés, très reculés, ces personnes-là sont déjà exposées à cela, les conséquences sont déjà mises devant elles. Et en plus de cela, qu'il y ait un certain encadrement de l'État, je dirais même que ce point-là devienne régalien pour l'État, on peut essayer de voir à peu près quelque chose de mieux pour notre situation. Parce qu'actuellement, il y a vraiment matière à faire au niveau du digital. C'était ce point que je voulais dire particulièrement. Définitivement, tu as raison. On ne peut pas parler vraiment de développement sans souveraineté, sans intégrité de l'État. Si, par exemple, d'autres compagnies ont toutes ces informations sur des gens, je pense que c'est très dangereux. Très, très dangereux. Ça fait peur. Emma, tu veux Mais ajouter quelque chose? je vais ajouter deux points rapidement. Vous avez parlé de privacy et le fait d'avoir, comme on appelle ça, nos données et tout, entre les mains de Google et Facebook. C'est un point vraiment important que, moi, bon, je ne sais pas vraiment l'écosystème ivoirien, mais je suppose que la majorité des startups et tous les trucs, même peut-être l'État, tous nos, soit les websites, les trucs qu'on host, en général, on utilise les AWS, on utilise GCP, on utilise Google Cloud, enfin, les trucs des clouds des gens qui sont là-bas. Et est-ce qu'on a vraiment les serveurs sont en Côte d'Ivoire, les serveurs sont en Afrique même? Ces serveurs-là sont réellement souvent stockables. C'est vraiment les données, c'est en Europe, c'est en Amérique et tout. Soit peut-être en Chine ou bien truc. Les gens peuvent prendre des lois pour dire si tu dois, comment on appelle ça, prendre les données des Chinois, par exemple, ça ne doit pas être en dehors de la Chine. De toute façon, c'est s'il y a la localisation physique, ça compte vraiment. Mais est-ce qu'on pense à ça, tout ça, pour pouvoir nous-mêmes créer, faire en sorte que les données sensibles et tous les trucs, c'est chez nous? Et puis pour nos business, s'il y a un business qui est très critique, aujourd'hui, on a un problème avec un État, on coupe ça rapidement, on a tout un problème. Donc, c'est des choses,
auquel il faut penser quand on pense à tous les trucs de privé, c'est un thème personnel, mais il y a tous ces problèmes géopolitiques qui peuvent jouer. Et les gens peuvent nous contrôler facilement. On parle de dépendance de la France et tous ces trucs-là. Si on n'a pas les technologies, les gens là-bas se lèvent, ils font un truc rapide, du coup, ils nous coupent de tout. Donc, il va falloir qu'on contrôle ces genres de choses-là pour nous-mêmes en tant que pays, si on veut être souverain. Donc, du coup, la souveraineté, comme pour souligner le point de Cissé, qu'on avait Modeste, ça vient avec tous ces petits trucs-là qu'on pense à ça. Et avoir les scientifiques pour pouvoir créer tous ces trucs-là. Et l'autre point pour parler beaucoup plus d'économie digitale, c'est parler un peu plus des opportunités que ça donne. Aujourd'hui, on voit peut-être les influenceurs, les gens qui n'ont pas forcément de job comme ça, comme on le voit. Mais nous, aujourd'hui, on pense peut-être beaucoup le job, c'est être un ingénieur, aller dans un bureau, faire les trucs comme ça. Alors que le monde change. Ouais. On parle toujours de chômage. Mais voici les nouvelles opportunités qui sont là. On parle de marketing digital, on parle de gens qui créent des chaînes YouTube qui sont riches. Il y a des influenceurs qui donnent le truc là. Ce sont les opportunités qu'on va devoir développer. Ce sont les opportunités qui sont là. Au lieu d'avoir les data pour ceux qui nous suivent, d'avoir les données pour aller suivre les buzz sur Facebook et tous les trucs, il faut utiliser ces trucs-là pour pouvoir créer de nouveaux boulots et tous ces trucs-là. Si l'État doit réfléchir à créer de nouveaux jobs, on ne peut pas toujours créer, tout le monde ne va pas travailler dans une industrie, tout le monde ne va pas travailler dans un bureau, mais il y a ces genres d'opportunités qu'on peut utiliser pour élargir, comme on appelle ça, les opportunités de boulot et puis pour améliorer et diversifier aussi notre économie dont on parle. Le monde est vraiment virtuel aujourd'hui. On a parlé de par exemple, des e-commerce. Il y a eu COVID. Il y a des gens qui ont le système de e-commerce qui est vraiment bien développé. Enfin, actuellement, Amazon est peut-être content. Je crois que mon entreprise aussi sont vraiment très contents parce que l'un des points positifs du COVID, c'est que beaucoup de personnes ont commencé à faire leur shopping en ligne. Et si on a une pandémie comme ça où on ne peut pas sortir, tu vois, il y a l'économie même de l'apprentissage en ligne et tous ces trucs. J'ai parlé de ça dans l'un de nos lives. Mais si on n'est pas préparé à ce genre de choses-là, quand les pandémies vont venir, quand on doit se confiner, quand il va y avoir des problèmes, ça, comment en tant que pays, on va se relever? Nos petits trucs administratifs, on n'est pas en ligne, on ne fait pas les trucs en ligne et tous ces trucs. Donc, je pense qu'il y a un potentiel là, il y a des opportunités qu'on peut utiliser pour résoudre beaucoup de nos problèmes de société aujourd'hui, si on considère ça. Mais bon, ça aussi, il faut avoir mon opinion. Si ceux qui nous dirigent aussi sont vraiment des gens de très vieux, eux, ils utilisaient peut-être les télégraphes et tous les trucs, peut-être qu'ils ne vont pas comprendre ces opportunités. Il faut beaucoup plus de jeunes aussi pour qu'ils puissent penser à ça. D'accord. Merci, Herman. Définitivement, la technologie Internet, ça ouvre vraiment beaucoup de portes. Mais je pense aussi que le gouvernement doit aussi intervenir, définitivement. Et j'aimerais demander à Abbas, comment le gouvernement pouvait intervenir vraiment pour l'économie numérique actuellement, selon toi? C'est une question assez compliquée. On va dire pour moi parce que... Il y a deux aspects ici, en fait. Je vois un peu ce que tu veux dire, mais disons qu'il y a ce qu'on voudrait qu'il fasse et puis il y a ce qu'il est capable de faire. Oui, ça c'est vrai. Mais genre, on va être réaliste, on va dire voilà. ce qu'il est capable. Ouais. Un gouvernement peut passer des lois pour dire, par exemple, quand vous utilisez des données ivoiriennes, il faut que ce soit sur des serveurs en Côte d'Ivoire et tout, OK? L'entreprise en face peut dire dans ce cas-là, oui, j'accepte ou non, j'accepte pas. Si elle dit non, j'accepte pas, elle peut dire juste, je viens pas chez vous. Ça, c'est possible. Si on prend l'exemple de Facebook, par exemple, si Facebook, demain, on passe une loi qui dit à Facebook, qui oblige Facebook, par exemple, à domicilier ses serveurs en Côte d'Ivoire. Et si ils domicilient leurs serveurs, ils doivent créer une entreprise en Côte d'Ivoire, donc ils vont avoir des taxes en Côte d'Ivoire. Ils veulent pas parce que l'Irlande, c'est mieux. Ils vont dire, on veut pas. Donc, la conséquence, c'est que du coup, il n'y a pas Facebook en Côte d'Ivoire. Ça peut créer un autre problème, en fait, qui est que derrière, il n'y a pas d'alternative, en fait, de ce type-là actuellement. On va créer notre WeChat. C'est ouais, ça, voilà. Peut-être que le gouvernement peut nous aider aussi. Hein? Du coup, ça, c'est pour ça que je dis, techniquement, en fait, il y a des choses. Le digital, en fait, ça a cette nature de ne pas être localisé réellement, en fait, quelque part. En fait, par nature, c'est fait pour qu'on oublie où c'est. Oui, c'est vrai. Du coup, ça devient assez compliqué derrière de dire un État régule ça parce qu'ils ne pourront pas. Par contre, là où peut vraiment être très important, là, c'est dans l'incitation, comme Evan disait. Là. On sait qu'on a ce problème-là, qui est que les géants, c'est eux. Et donc, si on veut s'en détacher, en fait, il faut qu'en interne,
En capitalisme, c'est qu'il existe et qu'on développe quelque chose qui va nous permettre en fait d'être autonome. Si un jour on avait besoin de ça, on l'aurait en fait. Et là, je pense que le gouvernement peut déjà beaucoup plus agir en fait. Ça sera mettre de l'argent sur la table pour dire envoyez-nous des projets digitaux, on vous sponsorise, ça marche, ça ne marche pas, bah, nous on va décider si ça a marché. Vous continuez, ça n'a pas marché, bah, c'est mort. Un peu à la chinoise. Hein. Et puis, en fait, mais c'est comme ça en fait, qu'on fait vivre finalement une vraie économie, on va dire, de la recherche. Là. Parce que, comme Eman disait, là, il ne s'agit pas de dire on va faire notre Facebook. En fait, Facebook, c'est une vieille techno déjà. Facebook bosse plus sur Facebook. Facebook bosse sur autre chose. Donc, l'idée, c'est de se mettre dans le bain en fait, de la recherche dès le départ pour que finalement, on soit à la page, hein, Griff, si je peux parler comme ça. Et ça, c'est le rôle d'un État, c'est de stimuler cette recherche, c'est de mettre de l'argent sur la table pour que, même si les gens font la recherche qu'ils ne trouvent pas, il faut qu'ils continuent, parce qu'ils vont trouver un jour. Et ce jour, ils vont trouver là, ça serait important pour nous. Ça, c'est comme ça que je vois le but de l'État, en fait. Donc, c'est pour ça que je dirais que c'est dur à répondre. D'un point de vue, on va dire financier, ils peuvent inciter les gens à aller, mais d'un point de vue régulation, c'est dur, en fait, de se dire, on va imposer ci ou ça, parce qu'il y a même des grosses entreprises... Il y a des grands pays qui se sont cassés les dents dessus. Hein. Les États-Unis, ils se cassent les dents tous les jours sur les GAFA. Là, hein. Voilà, c'est un peu mon point de vue là-dessus, en fait. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. On a une question, je vais lire, de Priscille Coutouin-Eddy, qui demande, qui est d'accord avec Modeste, exactement Modeste, qui va développer le pays pour nous si on ne veut pas faire notre part? Modeste est enlevé de la question en même temps. Non, Modeste n'est pas dedans puisqu'elle est d'accord avec Modeste. Ok. Aïcha, est-ce que tu peux répondre à cette question? Tant que je révise la question. Ok. Ah, c'est une question qui est liée à une ancienne question. Oui, exactement. Ah, mais oui, on en a parlé. Je pense que c'est quand on parlait de. Fuite de cerveau, voilà. Ah, mais bon, nous tous on fera notre part, hein. Je pense bien que nous tous on fera notre part, quel que soit l'endroit où on se trouve. C'est ce que je disais, quel que soit l'endroit où on se trouve, même si on est dans un autre pays en train de travailler là-bas ou bien essayer d'apprendre, de se former là-bas, je pense que de toutes les manières, on impacte quand même aussi notre pays en quelque sorte, c'est ce que moi je pense, hein. Je suis totalement d'accord. Mais est-ce qu'ils sont forcément partis au pays si on n'a pas de solution concrète pour améliorer la situation? Moi, je vais intervenir là-dessus, en fait. Vas-y. Et je pense cet exemple simple. On va dire, on prend un footballeur qui naît en France, qui peut avoir la double nationalité. Si demain, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire cherche un super attaquant, est-ce que ce gars, on lui dira, mais attends, pourquoi tu es resté en France là-bas, c'est ton pays? Les gens iront le chercher, on est d'accord. Ils vont mettre en place ce qu'il faut pour le ramener. Le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas cette mentalité-là chez nous, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, on veut faire l'inverse, en fait. On veut mettre la responsabilité sur ceux qui sont à l'étranger pour leur dire, vous ne revenez pas. Mais en fait, c'est le contraire. Quand tu prends une entreprise aujourd'hui ici en France qui va prendre un étranger, qui va lui payer des formations, qui va le garder dans sa boîte pendant longtemps, elle investit sur lui, en fait. Donc, ce gars-là, l'entreprise fait en sorte qu'il reste, ok? Il est patriote ou pas, ça c'est notre discours, mais l'entreprise fait ce qu'il faut pour qu'elle reste. Si la Côte d'Ivoire veut de cette personne-là, en fait, là, il faut qu'elle lui montre qu'elle a besoin de lui, en fait. C'est pas un sacerdoce, en fait, finalement. Le gars, il n'est pas obligé de venir se coucher pour venir, en fait, courir pour aider son pays, en fait. On n'a pas cette mentalité. De la manière, on voit les footballeurs comme des rockstars, les gars. En fait, il y a des scientifiques qui sont des rockstars, en fait. Il y a des scientifiques qui s'arrachent à millions, en fait. Et en fait, on n'a pas cette mentalité-là chez nous. Et donc, derrière, on va dire aux gens, « Ah, mais le gars, il a lancé une fusée sur Mars et il n'a pas venu faire ça pour son pays. » Mais je suis désolé, ce n'est pas son pays qui l'a aidé à lancer la fusée sur Mars. Hein. Du coup, en fait, pour moi, c'est un peu essayer de culpabiliser les gens qui sont à l'étranger pour leur dire « Rentrez, parce que c'est votre pays. » Mais en fait, comme Aïcha disait là, le gars, il va rentrer, il va faire quoi? Attends, tu lances des fusées sur Mars, tu rentres au pays, tu vas être ministre de l'éducation et tout ce que tu peux faire, c'est quoi? C'est genre donner des cadavres gratos à des enfants. Où est la stimulation intellectuelle dans ça, en fait? Et c'est là, en fait, que moi, je pense que dire aux, les gens restent à l'étranger, ils ne veulent pas revenir faire le pas, c'est facile, c'est un raccourci, en fait.
Parce que derrière, moi, je peux revenir en Côte d'Ivoire, je suis roboticien, je fais quoi en robotique en Côte d'Ivoire? La main le fait tellement moins cher qu'on n'a pas besoin de moi. Oui, c'est vrai. Souvent aussi, il faut dire que personne n'est roi chez lui. Souvent, il y a quand même un certain manque de genre, Reconnaissance. reconnaissance exactement des personnes qui essaient de retourner au pays. Je pense que ça aussi, il faut le souligner. Souvent, les gens jouent au football au pays, puis ils vont les payer 100 000, tu vois. Puis si Barcelone vient te chercher à des millions, là, c'est pas une question du patriotisme, souvent. Je pense que souvent, il faut valoriser ce qu'il y a à la maison. En tout cas, mon point de je finis juste mal et puis mais mon point de vue, c'est pas ce que je veux dire, c'est que moi, de ceux que je connais, en tout cas, la plupart veulent revenir. La très grande majorité veulent revenir, mais la plupart ne vont pas revenir parce qu'il n'y a pas y a pas les conditions pour qu'ils reviennent, en fait. L'écosystème, il n'y a pas l'écosystème. Et tous les pays qui veulent se développer mettent en place l'écosystème pour que les gens aient envie de revenir. La Chine l'a fait, les Indiens sont en train de le faire. Si on ne le fait pas, les gens ne reviendront pas, c'est tout. En tout cas, moi, Qui c'est ce que je doit, pense. je suis totalement C'est d'accord, mais qui doit le faire? pour moi, c'est le but d'un État. Quand j'ai donné l'exemple de mes amis, là, ils n'ont pas démarché une entreprise, en fait. On est venu en France pour leur dire, voilà ce qui existe chez vous. Parce qu'on sait qu'ils ont un certain niveau intellectuel, ou ils ont, en tout cas, ils peuvent prétendre un certain niveau intellectuel qui fait qu'ils seront utiles. Donc, derrière, en fait, pour un État, c'est le but d'un État, en fait, pour moi, de mettre en place ce qu'il faut pour que les gens se développent, en fait. L'État ne va pas développer la Côte d'Ivoire de manière active, c'est les gens. Mais l'État est censé mettre en place le vivier, quoi. Genre, c'est comme si tu as des enfants. Tu ne vas pas leur dire, allez à l'école et puis vous allez voir bien ce que vous trouverez. Si tu peux le mettre à Harvard, tu le mets à Harvard. Parce que de toute façon, tu sais bien que là-bas, il a de grandes chances de réussir. C'est un peu la même histoire, en fait. L'État met les conditions, on revient. S'il n'y a rien, les gens ne vont pas revenir, hein. Pour moi, Oui, c'est utopique de penser ça. je suis totalement d'accord. Mais je vais me jouer un petit peu l'avocat du diable. Est-ce que le gouvernement n'a pas de priorité actuellement au pays à gérer, avec les gens qui sont sur place et tout ce qui se passe Eman comme voulait réagir, pauvreté, donc je le d'emploi? laisse peut-être répondre, sinon moi je vas-y, Eman. Oui, c'est vrai. OK. C'est une question qui peut rester ouverte quand même. Oui. Je vais essayer de répondre à ça. On ne peut pas dire toujours le gouvernement a d'autres priorités et tout, mais c'est ça le rôle du gouvernement. C'est difficile, un travail difficile, pas parce qu'on n'a pas forcément les moyens et tous les trucs, mais on a un budget restreint et on a beaucoup de choses à gérer en même temps. Comment tu distribues ces ressources-là pour pouvoir gérer ça de façon effective? Mais le Le problème problème du aujourd'hui, sac à dos. quand on va voter, faire les élections, on ne regarde pas ça. On regarde peut-être est-ce qu'il est du nord, est-ce qu'il est du centre, est-ce qu'il est de l'ouest et tous les trucs. Mais c'est sur ça qu'on devait pouvoir juger nos gouvernements et tout. Donc, on ne peut pas prendre ça comme un alibi, ils ont d'autres priorités et tout. On sait, on a défini en quoi est-ce que c'est indispensable de faire ce genre de trucs-là au développement même du pays. Donc, ça, c'est vraiment crucial même. On veut parler directement, si tu traites peut-être, je ne sais pas comment tu traites le problème, on coupe, au lieu d'aller à la racine, on veut couper le problème en dessous, au-dessus du sol. Ça va être un problème. On parle d'éducation, on parle de rue, on parle de tel truc. Mais le problème à la base, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment ces connaissances. Il n'y a pas l'estime du son développé. Il n'y a pas les personnes qualifiées. Les personnes sont en train de fuir. Donc, du coup, ça va être un problème. Et pour revenir sur notre projet, notre problème de la fuite de cerveau, c'est un problème réel. Je sais pas, il y a le truc de la poule et de l'œuf. Le problème qu'elle est en train de dire, c'est qu'on peut toujours penser comme ça que on va rester. Qui va finalement développer le pays? C'est comme si on n'a jamais changé. Pour apporter un peu de dose de positivité, c'est que ça va changer. Mais à quel qu'on appelle ça rate? Ce ne sera pas peut-être rapide. Ça va être relativement progressif et tout. On peut faire tout ce qu'on veut dire et tout, mais moi, je pense que d'une manière ou d'une autre, quelque part, notre pays avance. Même si c'est un mauvais gouvernement, il y a un certain progrès et tout. Mais ça va être, on peut accélérer ce progrès-là. Et il y a des gens qui veulent retourner. Et je pense que si on le veut vraiment, je prends même simplement qu'on ait une stabilité. La Côte d'Ivoire est tellement importante en termes de géopolitique. Où on est situé dans l'Afrique de l'Ouest, dans la CEDEAO et bien dans l'UEMOA et tous ces trucs. Donc, même si un gouvernement veut nous retarder avec leur truc, on n'a pas le choix que d'avancer, quoi. Ils n'auront pas le choix à un certain niveau parce que le potentiel est tellement là. Les gens de l'extérieur, le problème, c'est que est-ce qu'on va bénéficier de ce progrès-là? Parce que l'argent peut-être va sortir. Donc, ils seront obligés, on sera obligé d'une manière ou d'une autre de se développer. Mais est-ce que ça va profiter aux gens qui sont là? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, du coup, on va se développer, mais peut-être ça sera vraiment
comme on appelle ça, pas trop rapide comme on le souhaite. Et je rejoins Abbas. C'est vrai que nous tous étions, mais s'il peut avoir un confirmation bias, parce que là, nous tous, on est à l'extérieur. Oui, c'est ça, on est d'accord. On aurait dû avoir des gens qui sont, comme on appelle ça, en Côte d'Ivoire, qui s'en sortent bien. Il y a des gens qui travaillent dans le système en Côte d'Ivoire qui s'en sortent bien. Il y a des gens qui sont dans la télécommunication, il y a des gens qui sont ici. Ils s'en sortent vraiment bien. Il y a peut-être de meilleurs avantages et tous les trucs. On peut blâmer le niveau de vie et tous ces trucs-là. Moi, je pense qu'on peut vivre bien en Côte d'Ivoire. Mais il y a de petits problèmes qu'on a, ça dit qu'on doit pouvoir résoudre. Même les entreprises, est-ce qu'elles font la publicité des opportunités en dehors? Pour trouver un travail, c'est difficile. Moi, je n'ai pas été trop en travail, je ne connais pas trop l'écosystème là-bas. Alors que moi, je faisais des stages depuis ici, c'était facile pour moi de faire des trucs ici. Donc, c'est difficile, on va retourner. Moi, je pense qu'on va retourner. Et on doit créer, miser sur l'innovation. Parce que c'est quel problème on solve d'abord? On dit qu'il n'y a pas d'entreprise pour pouvoir nous embaucher pour faire ce qu'on veut. Mais qui va créer les entreprises? Tu vois, les multinationales qui vont transformer le cacao aussi. Qui va les amener à déloger là-bas? Si, par exemple, l'État les force à peut-être venir là-bas, et puis on va mettre des lois du sort à ce que tu dois employer un certain nombre d'Ivoiriens, des trucs comme ça. Ils vont aller chercher les Ivoiriens qui sont à l'extérieur. Et aussi, dans la technologie, il faut créer, comme dans l'écosystème, comme on l'a dit, des enablers qui vont permettre aux Ivoiriens de créer des entreprises. Par exemple, d'innovation et tout ça, il y a du travail qui se fait. Et ça va même aux root cause aussi, depuis l'éducation. Est-ce qu'on encourage les gens à pouvoir créer même nous-mêmes au départ? Et si on encourage au niveau de l'éducation et tous ces trucs-là, ça va créer des opportunités. Pourquoi quelqu'un va vouloir sortir? Moi, je veux toujours manger mon gaba à Abidjan. Ce n'est pas forcément manger quelque chose d'autre et tout. Il y a des trucs intéressants là-bas. Il y a la famille, il y a tous les trucs. C'est intéressant. Ce n'est pas que forcément on veut. Quand on est à l'extérieur, il y a des gens qui vivent le racisme et tous ces trucs. Il y a le froid qui est au Canada et qui veut le froid. C'est vraiment quoi. Même ceux qui sont dehors là, ils sont beaucoup plus fiers même d'être ivoiriens. Les gens écoutent la musique ivoirienne tout le temps, ils vont sur les trucs, ils sont sous les ressources, les gens veulent être au pays, mais l'écosystème n'est pas là. Et si les conditions sont remplies, les gens vont revenir rapidement quoi. Donc c'est ça. Et puis à la base même, pourquoi les gens sortent d'abord? Et on a des universités qui retiennent les gens en même temps au pays, là on se forme au pays en même temps et puis ils vont plus sortir, on va plus parler de revenir ou bien fuir. Donc il y a vraiment beaucoup de trucs. Vous dites qu'il y a l'État, mais je pense aussi que dans quelques années, ça va changer. Même parlons de stabilité, dans 5 ans et tout, on va peut-être, les gens vont retourner. D'accord. Le pays sera développé. On espère, c'est notre but, c'est tout ce qu'on souhaite à notre beau pays. OK, et on a tous compris que les STEAM là, sont indispensables pour le développement durable des pays. Je pense que tout le monde est d'accord sur ce point. Mais j'aimerais qu'on cite deux pays, par exemple en Afrique, qui s'en sortent mieux dans ces domaines, qui sont sur... On va les citer vraiment très rapidement, deux exemples. Et je vais prendre deux personnes qui ont donné un exemple. Modeste, peut-être, tu peux commencer. Un exemple d'un pays qui s'en sort mieux. Moi, j'ai envie de dire un pays... je ne vais pas dire le Maroc. Mais j'ai envie de dire le pays dans lequel tu es. L'Afrique du Sud, en fait. L'Afrique du Sud, côté recherche en Afrique subsaharienne, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, le pays et la partie de l'Afrique du Sud qui s'est complètement distinguée dans les 20 dernières années. Que ce soit en parution, en collaboration, en équipement, en diversité de publications, l'Afrique du Sud a surplanté honnêtement ce niveau-là. Il y a même des programmes qui ont été mis en place, l'Afrique du Sud et le Ghana, pour essayer de promouvoir cet esprit STEAM-là depuis, du genre, le vivier même de l'école. C'est-à-dire du genre, par exemple, comme ce qu'on voit dans les films américains où on fait des journées scientifiques et autres, sont des choses qui commencent à être courantes dans ce genre de pays. Herman, il est là-bas, peut-être, je ne sais pas, peut-être il a pas encore d'enfants, mais c'est sûr que si ses enfants sont là-bas, je sais qu'il n'a pas d'enfants. Donc, c'était pour la blague. Je suis sûr que si ses enfants sont là-bas, ils vont passer par ce processus-là. Et un enfant qui, depuis longtemps, a été exposé à de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire et autres, c'est toute son imagination et toute sa créativité d'enfant-là qui est stimulée depuis, tu vois, depuis cette période-là. Et du genre, en 15 ans, 20 ans, 30 ans, si tu arrives à focaliser quelqu'un là-dessus, ça va marcher. Donc, je voulais parler au moins déjà du côté éducatif de l'Afrique du Sud sur, comment on appelle, au niveau des STEAM. Voilà. D'accord, merci beaucoup Modeste. Et une autre personne rapidement, Eman peut-être? Ah là, mais il a pris l'Afrique du Sud. Hein? Il y a 54 États. Je pense qu'il y a d'autres en pays. Prends le Maroc. Prends le Maroc comme ça. Je vais prendre un exemple. Je n'ai pas d'enfant pour préciser.
Il y a un pays que j'aime bien. Enfin, il y a les pays maghrébiens en général, mais je vais prendre un autre pays. Les pays maghrébiens s'en sortent bien. Enfin, le Maroc, la Tunisie et tout. Même on parle d'intelligence artificielle et tous ces trucs-là. Il y a des startups, par exemple, on parle d'InstaDeep, on n'est pas fait de publicité. Ils sont bien dans l'écosystème de l'intelligence artificielle. Ils ont fait même des collaborations avec DeepMind, le truc de recherche qui est lié à Alphabet et tous ces trucs. Donc, il y a ces pays-là, mais il y a un pays aussi qui est vraiment très innovant, je pense, le Kenya. Il y a beaucoup d'innovations au Kenya et tous ces trucs-là. Donc, je pense que dans de bonnes universités aussi, ils forment bien les gens et tout. Je le disais, il y a une page Wikipédia qui montre un peu, comment on appelle ça, des efforts de STEM pour les pays qui encouragent le STEM. Je vais peut-être poster ça comment on appelle ça, sur la page là-bas, mais qui montre un peu les efforts par pays d'Afrique où il y a certains efforts. Donc, du coup, quand tu regardes la cause, il n'y a pas vraiment beaucoup, il y a pas beaucoup de trucs. Mais si tu regardes les pays comme le Kenya, le Ghana et tout, désolé, tu as dit un pays, mais je vais devoir citer un système. Ouais, tu il y a Google qui a ouvert, qu'on appelle un centre de recherche pour l'intelligence artificielle. Au Ghana. Ça, c'est bon. Il y a aussi, comment on appelle ça? Il y a le Kenya que j'ai cité. Et il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de pays comme ça qui sont presque au même niveau. Donc, je vais dire le Kenya. Il y avait la Tunisie, je vais dire le Ghana. Et puis, si j'ai oublié ton pays, désolé. La Tanzanie aussi, que j'aime beaucoup aussi. Ouais. OK, merci beaucoup, Eman. Je pense qu'on est tous d'accord que l'STEM, c'est vraiment un moteur essentiel pour le développement économique d'un pays. Et maintenant, on va essayer de nous intéresser à son enseignement, principalement en Côte d'Ivoire actuellement. Est-ce que ça répond vraiment à nos besoins et tout ça? Mais pour une première question, je vais demander en fait, en termes d'infrastructures, de formation, est-ce qu'il y a vraiment des personnels qualifiés pour relever le défi actuellement en Côte d'Ivoire? Je vais passer avec Abbas. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Mon avis personnel, c'est qu'aucun de tous ceux qui sont dans ces panels-là ne sont vraiment bien placés pour répondre à ça, parce qu'on n'a pas fait nos études finalement, une grande partie en Côte d'Ivoire. Mais bon, je vais essayer quand même. Et donc, j'invite tous ceux qui sont dans les commentaires à répondre s'ils ont fait leurs études en Côte d'Ivoire. Mais ce que je pense, c'est que sur un certain nombre de technologies, on est au point, typiquement celles qui n'ont pas beaucoup évolué. Donc, peut-être de la chimie, peut-être de la mécanique, c'est des choses qui n'évoluent pas au sens, je veux dire, au sens, on va dire, design. Par contre, les matériaux évoluent, il y a plein de trucs qui changent. Par contre, tout ce qui est, on va dire, nouvelle techno, typiquement, tout ce qui est, on va dire, appareil avec le digital, là, on n'est sûrement pas au point. En Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'on a les gens hors Côte d'Ivoire. Et là, ça va revenir à l'histoire de la fuite des cerveaux, en fait. Je pense qu'en fait, on est outillé en tant que pays dans tous ces domaines-là. On a des gens qui savent faire. Est-ce qu'ils sont en Côte d'Ivoire? C'est une question. Est-ce qu'on sait où les trouver? Ça, c'est une autre, en fait. Si on reste uniquement en Côte d'Ivoire, je dirais que, sur notre expérience personnelle, parce qu'on a tous fait quasiment les mêmes lycées, non, on n'est pas outillé, en fait, parce qu'on est un pays très théorique, en fait, au sens où on apprend beaucoup de choses qui sont justes, hein, typiquement. Genre, un théorème de mathématiques, il ne change pas le lendemain, quoi. Donc, c'est juste, mais on ne pratique jamais, en fait, parce que finalement, je ne sais pas si on dit que c'est les priorités de l'État, c'est la formation. En tout cas, ce n'est pas encore passé là-dedans. On n'a pas de matériel, en tout cas, on n'en avait pas en ce moment-là. Donc, derrière, en fait, ça fait des gens qui savent faire en théorie, mais ne savent pas faire en pratique. Et là, en fait, on va se pointer sur le I de STEAM, là, en fait. C'est le côté ingénierie, en fait. Les sciences, les maths et tout, c'est la connaissance. L'ingénierie, c'est mettre en place la connaissance, en fait. Et c'est là qu'on pêche, je pense, en fait, dans l'enseignement, parce qu'on ne la met jamais quasiment en connaissance, en fait. Tu me demandes d'écrire, je ne sais pas, il y a des gens qui peuvent faire des formes d'ondes, ils peuvent écrire toutes les équations, tout résoudre. Tu le mets devant la machine, bon, ça va être un peu plus compliqué, hein, parce qu'il n'a jamais vu un vrai, en fait. Il a toujours travaillé sur des choses parfaites, il a toujours travaillé sur des choses où tout est négligé, on négligera tant. Bah, dans la vraie vie, il y a les parasites, il y a ci, il y a ça. Et pour moi, c'est là qu'on pêche, en fait. Notre enseignement est trop théorique, beaucoup trop théorique. Sinon, moi, je dirais, sur la théorie, quand même, on est au point. L'une des preuves de ça, c'est que la plupart de ceux qui sortent du pays s'en sortent quand même, dans les autres systèmes.
Donc, ça manque bien que scientifiquement, en fait, on apprend ce qu'il faut sur un certain nombre de domaines, encore je précise, hein, parce que je ne pourrais pas me situer, mais je pense que sur tout ce qui est justement le digital, là, il y a eu beaucoup d'efforts qui sont faits maintenant, hein, mais ce n'est pas forcément au point, par exemple, à l'université. Je ne pense pas que les gens apprennent de la même manière qu'à l'INP ou à l'ESATIC, par exemple. Bon, on ne va pas parler de tout ce qui est techno-robotique et intelligence artificielle. Je ne suis pas sûr que ça existe. En tout cas, quand mon petit frère a eu le bac cette année, on a cherché, on n'a pas vu. Donc, je pense qu'il y a des manques. Théoriquement, on n'est pas trop mal, mais on pêche énormément par la pratique, en fait. Et sans pratique, finalement, on ne peut pas vraiment créer une industrie, en fait, parce qu'à un moment, il faut que les machines tournent, il faut que tu passes de ta connaissance à la réalité, en fait. Je peux ajouter un point, toujours dans dans cette veine-là. C'est aussi par rapport à l'adéquation de la formation, de la formation qu'on a. J'ai vu les stats que j'ai regardées dernièrement, je crois qu'on est à 27% de notre formation qui est dans les STEAM et on a le reste qui est en langue et en langue humaine, droit, langue sociale et autres. Il y a aussi, il faut qu'il y ait une adéquation entre ce qu'on veut faire et ce qu'on propose. Parce que c'est assez étrange que du genre, on apprenne du genre, il y a des gens qui ont des masters en langue morte grégorienne, je ne sais pas quoi. Histoire Pendant que ces médiévale. personnes. Comme si J'ai elle pas existe. entendu que. Et oui, c'est ça, les gens qui ont des licences en histoire médiévale, Attends, faut prendre le traditionnel criminologie. Criminologie, Exactement. c'est des bons Exactement. trucs, mais est-ce que ça répond vraiment à nos besoins économiques? C'était vraiment la Voilà. question suivante que Modeste est en train de répondre. Vas-y. Donc, c'est vraiment cette adéquation qu'il faut voir. Ça, c'est d'une part. Deuxième point, Abbas a raison. Moi, par exemple, je suis dans un domaine où on fait des usines. Pour faire une usine, honnêtement, à chaque fois, je le dis, c'est vraiment de la cuisine. C'est savoir cuisiner. Mais juste savoir cuisiner, il faut que quelqu'un te donne la recette. Qui te donne la recette, c'est quoi? Il faut que quelqu'un passe son temps à chercher pour savoir la quantité de sel à mettre sur le gaba. Est-ce que je dois mélanger avec la cuillère ou bien avec la main? C'est ça qui Mon fait Dieu, ça va. l'essentiel du gaba. C'est-à-dire, c'est après un ensemble de recherches qui a réussi à développer le plat du gaba. Je prends l'exemple du gaba parce que c'est plus parlant. C'est de cette même manière qu'on fait une We usine d'engrais. feel it. Tu vois, c'est de cette même manière qu'on fait une usine d'engrais. Il y a des gens qui ont la technologie, ça c'est d'une part. Et il y a des gens qui ont l'ingénierie, c'est-à-dire de faire en sorte de gérer et de produire des connaissances, de qu'on appelle de suivre des connaissances et des normes techniques pour élaborer l'usine. Moi, j'ai essayé, et maintenant que je suis en Côte d'Ivoire, là, c'est un cas pratique que je vous dis. Pour revenir sur sur la question de l'adéquation des formations, moi, j'ai essayé de regarder dans mon domaine qui fait quoi. Et quelles sont les entreprises qui font? Déjà, la première des choses qui m'a choqué, on va augmenter la capacité de stockage avec deux bonbonnes qu'on va placer au port. Et du genre, c'est un grand événement. La dernière usine que j'étais en train de faire en Inde, il y en avait sept. Et du genre, il y avait des compresseurs qui étaient tout autour. Et c'était la plus petite partie de l'usine. Juste pour te dire à quel niveau. Et ce n'est même pas un niveau technologique, c'est un niveau ingénierie. Pour te dire à quel niveau du genre, pour te montrer à quel niveau. Quelles sont les comparaisons, le comparatif qu'il y a avec d'autres pays émergents qui font ça en interne? Il n'y a pas vraiment de volonté, il faut le dire, parce que s'il y a une volonté, on va faire la meilleure des choses que le Maroc et l'entreprise dans laquelle je suis a fait, c'est de faire un partenariat avec des étrangers et de faire en sorte que, du genre, d'ici 10 ans, il y ait un transfert de connaissances. Le Japon l'a fait, c'est ce que le Maroc est en train de faire. Nous, tous les grands projets qu'on est en train de faire actuellement sont faits par l'extérieur. Hashtag les pays, l'ancien colonisateur. Oui, j'aimerais rapidement. La Oh, vas-y. chose qu'il y a, pourquoi on se demande, la question que tout le monde se demande, pourquoi au Nigeria il y a tant de milliardaires? Pourquoi la majorité des milliardaires africains viennent du Nigeria? C'est quand même un C'est parce grand que, un pays. mot, c'est parce que, non, c'est pas à cause des grands pays. Il y a un moment où il y a un président, je ne me rappelle plus lequel, il a décidé que tous les grands contrats devaient être passés par des entreprises locales. Tous les grandes multinationales sont venues faire des joint ventures avec des entreprises locales. En 10 ans, tu as un gars qui a développé la capacité de pouvoir faire une usine. Dangote, actuellement, ces usines qu'il fait, la majorité de l'ingénierie jusqu'au basique, c'est fait du genre local, chez lui, au Nigeria.
S'il n'y a pas de volonté, ça ne va pas aller. Parce que les hommes, je suis sûr que la nature, on dit « necessity is mother of invention ». Disons, la nécessité est la mère de toute invention. C'est sûr qu'il y aura quelque chose qui va suivre. Mais tant qu'il n'y a pas une volonté d'écosystème, et aux dernières nouvelles, le gouvernement actuel a dit que c'est une de ses priorités d'être un gouvernement régulateur, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, on attend de voir vraiment s'il y a cette invitation d'être régulateur. Parce que ce qu'on voit, on dit, il y a une usine de café, de transformation de café d'Anacard que j'aurai la chance peut-être de voir avant de partir. Mais l'ingénierie n'est pas faite ici. C'est les Indiens, c'est les Allemands et les Français. Comment on va pouvoir faire une ingénierie locale qui puisse faire cela ou qui puisse ne serait-ce que gérer cela? C'est une question à poser et c'est vraiment déplorable à mon sens. C'est une question aussi très pertinente, je pense. Mais il faut aussi dire que nos systèmes éducatifs sont quand même obsolètes, il faut se le dire. C'est basé sur les années 60 précoloniales. C'est ça, les années précoloniales. Puis en ce moment, on ne s'entendait pas à des Noirs qui allaient étudier des trucs de pointe, tu vois. On s'intéressait au domaine un peu plus basique. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on adapte nos systèmes aux besoins actuels, à nos besoins actuels? Peut-être c'est sur cette question que le gouvernement devrait se pencher, peut-être. Qu'est-ce que vous en avez à dire? Moi, je vais juste rebondir rapidement en deux phrases. Première des phrases, tout problème se résout en créant une solution. Deuxième des phrases, toute solution, quand elle est développée, crée des emplois. Tout court. Oui, et je suis totalement d'accord. Le problème est identifié. On fait des solutions et on arrive à les repliquer. Ça crée des emplois. C'est comme ça marche. Oui, je suis d'accord. Il faut aussi un comité de veille pour adapter nos besoins aux besoins réels, on va dire. Ben, nos systèmes aux besoins réels. Aïcha, tu voudrais ajouter quelque chose? Rappelle-moi la question, s'il te plaît. En fait, la question, en gros, c'est est-ce que le gouvernement nous encourage vraiment à aller dans le STEAM? Aux dernières nouvelles, en fait, moi, je pense que oui, en quelque sorte, parce que je vais prendre l'exemple, en fait, du ministère du pétrole qui, récemment, a essayé d'implémenter, en fait, une coopération entre une grande école de pétrole de France et l'INP. Et ils ont donné une opportunité comme ça à plusieurs personnes, en fait, de postuler dans cette grande école. Donc, je pense que par là, en fait, on peut dire que le gouvernement essaie quand même de pousser, en fait, les étudiants, la population, en fait, à quand même avoir des connaissances de STEAM, quoi. OK. Est-ce que vous pensez vraiment que ça encourage vraiment dans nos programmes d'études? On peut s'intéresser aussi aux enfants. Peut-être qu'il faut les inculquer ça. Bien sûr. Parce que actuellement, comme ça, on parle de redynamiser en fait le système éducatif de la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que ça doit être en fait l'opportunité en fait de revoir ça et puis aussi ajouter, voir en fait ce côté-là, ajouter en fait des possibilités où on peut essayer de pousser l'enfant en fait à s'intéresser à des disciplines de STEAM. Comme ça, la personne commence à ce bas âge et la personne sait déjà comment se diriger ou bien se rediriger en fait quand la personne grandit et bon, va à l'université en quelque sorte. Ouais. Donc, je pense que c'est important. OK. Merci beaucoup, Aïcha. On a une question de Ayuri qui demande comme dans une projection globale long terme dicté par une hégémonie assez ingrate des STEAM, quelle place donnons-nous à cette majorité qui n'a a priori pas d'appétence pour les sciences? Quel modèle proposeriez-vous pour casser le contre l'effet élitisme apparemment des STEAM? Ouf, la question. Et est-ce que quelqu'un pourrait répondre? Il y a tellement de mots incroyables. De mots incroyables, carrément. Je vais occuper la question et je peux me casser la tête là-dessus. Après, les autres vont mieux répondre. OK, vas-y. Mais Ayeri, tu parles beaucoup de français. Hein, vous parlez français. il a dit quoi? Hégémonie, je crois qu'il parlait de la fuite des cerveaux, là. Ouais. Donc, pour résumer, pour dire qu'il y a une sorte d'élitisme dans les systèmes, en fait. Pour dire que
pour pouvoir faire les systèmes, les genres de trucs, il faut être considéré comme un génie, comme les cracks. Il y a un peu l'impression aussi, par exemple, quand on voit le lycée scientifique de Yamoussoukro. Tous ceux qui vont faire les matières scientifiques sont les cracks. Si tu fais, tu es fort en mathématiques, en sciences physiques, c'est comme ça. Alors qu'il n'y avait pas lycée littéraire de, je ne sais pas, de Bongwano, je ne sais pas trop. Donc, il y a cette sorte d'élitisme-là. Comment on pourrait, comment on appelle ça, casser ce modèle-là? Je crois que c'est la question. J'ai vraiment pas de réponse. Mais je pense que je vais partir à la base. On peut parler du gouvernement qui va inciter les gens et tous les trucs. Je vais partir à la base au niveau de la famille et puis ce que quelqu'un peut faire de façon individuelle, en fait. Parce que là, le gouvernement, on n'est pas des décideurs. On va parler tout le temps à se plaindre du gouvernement et tous ces trucs. Je ne sais pas si ça va entendre, ça va arriver dans leurs oreilles. Mais moi, je parle, si tu nous regardes, par exemple, peut-être comme Ayeri ou bien un truc. Quand tu vois un enfant, au départ, les enfants ici, il y a des petits trucs qui les fascinent, en fait. Tu vois? Donc, au-delà, à la base, comme Sylvie l'a dit là, si tu as une petite démonstration à faire, il faut démontrer ça, il faut faire la démonstration sur ton ordinateur, les trucs électroniques, les trucs en ligne, des trucs comme ça, ou bien des trucs mathématiques. À la base, en tant qu'un parent, il faut facilement donner cette impression-là à l'enfant. Et ça va créer sa curiosité pour qu'il puisse commencer à rechercher ce genre de trucs-là. Et du coup, il va s'intéresser à ça à l'école parce que ça l'aide. Je parlais aujourd'hui avec, qu'on appelle ça, Silhouette de l'effet Mpemba. C'était une simple curiosité de l'enfant à l'école. Après, il a commencé à faire ses expériences. Comment il a découvert ce truc-là, ses expériences lui-même à la maison et tous ces trucs. Il était en train de faire de la glace. On appelle ça de la glace, oui, je crois, en français. Ouais. Il est en train de créer ice cream, de la glace. Okay. Lui-même, et puis il a découvert que quand il a réchauffé son ice cream, il n'a pas laissé qu'on appelle ça couler, ça, il a mis ça au réfrigérateur. Son ami, sa glace était un peu froide au départ, mais son lait, il prenait du lait pour créer ça. Et ça s'est congelé plus rapidement. Et après, il n'a pas laissé le truc. Il y a eu la curiosité de demander, alors que ses amis même le faisaient taire et tous ces trucs, il a continué. Après, c'est arrivé à une découverte scientifique. C'est l'une des découvertes scientifiques qui porte le nom d'un Africain. Il vient de la Tanzanie. Donc, du coup, quand je regarde ce parcours-là, c'est parce que cette curiosité-là, à la base, ça a été développé. Donc, en tant que parent, en tant qu'un tonton, il faut aider les enfants à développer cette curiosité-là. Et si c'est développé dans la majorité de la population et tous les trucs, si on a des aptitudes, ils vont commencer à avoir, comment on appelle ça, ce truc-là. Et moi, je pense qu'au minimum, dans les STEM, il y a les mathématiques. Tout le monde dans la société doit pouvoir avoir une certaine base de mathématiques. Parce que je vais comprendre la logique, on ne va pas faire les conclusions bizarres et tous ces trucs-là. Donc, il faut savoir qu'une éducation ne fait pas forcément une équivalente, tous ces trucs-là. Donc, ça nous aide à réfléchir, même si tu fais du social science, si tu fais, comment on appelle ça, de la politique, tu vas pouvoir tirer des conclusions, tu vas analyser les choses de façon critique et tout. Et je pense qu'on peut changer ce truc-là. Je n'ai vraiment pas de modèle grand au niveau de l'État et tous ces trucs. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut contrôler en tant que personne. Il faut aussi, par exemple, tu es en informatique, avec des clubs de comment on appelle ça, vous avez des clubs qui font des trucs, passer dans les écoles, des lycées, des collèges, pour aller faire des démonstrations, pour exposer les gens ne serait-ce qu'à ça. Il a le pouvoir de la représentation aussi. Moi, par exemple, quand on me parlait de l'informatique et tout, j'ai un ami qui m'a parlé de ça dans une certaine année où je ne connaissais rien vraiment de ça, mais je me souviens, c'est Abbas même qui m'a aidé quand je postulais pour mon truc de boost avec son ordinateur. Je ne connaissais pas trop le truc, il m'a aidé à taper tous mes trucs, j'avais copié tout sur un papier. Donc, ce n'est pas grand chose. Le gars qui m'a parlé de la programmation à ce temps-là, il m'a dit vraiment, il faut être un génie, ceux qui font la programmation, ce sont les génies, des trucs comme ça. Les exemples qu'il m'a donné, c'est un truc stupide quand j'ai appris la programmation. Vous dites qu'il peut programmer les calculatrices. Ce sont des trucs que tu apprends dans la première année de programmation, des trucs comme ça. Donc, j'avais vraiment personne à qui parler de ces trucs-là. Alors que si j'avais des modèles, des gens, une certaine représentation, et puis on va parler peut-être des trucs de la femme. Si la jeune fille, tous les femmes qu'ils voient, par exemple, elles font l'être moderne, des trucs comme ça. Elle n'a pas de représentation des gens qui font des trucs dans les matières scientifiques. Quand on va voir, c'est vraiment, on peut faire ça si on est garçon, on ne fait pas forcément A, on est une femme, on ne fait pas forcément A, il y a ces trucs-là. Donc, avoir des modèles, aujourd'hui, moi, j'ai fait, comment on appelle ça, l'informatique et tous les trucs. Quand je vais repartir dans ma famille, est-ce que je vais parler de ça aux enfants? Est-ce que je suis exposé à ce genre de métier? Est-ce qu'ils peuvent faire ça? Donc, du coup, ça va quitter dans la main d'une certaine forme d'élite. Et on va avoir beaucoup plus que c'est normal. Tu n'es pas obligé d'être un génie. Il faut juste suivre des trucs et tous les trucs comme ça. Donc,
Je pense que je vais retenir, comme on appelle ça, le truc de représentation, avoir des modèles. Et puis aussi, au départ, développer cette curiosité-là dans les enfants, pour ne pas parler trop des modèles de l'État qu'on ne peut pas contrôler. Oui, c'est vrai. Il faut aussi vulgariser ça chez tout le monde. Moi, je veux abonder dans le sens d'Eman, en fait. Ayeri vient de repréciser sa question. En gros, il dit... il a reprécisé pour ceux qui étaient gênés par l'hégémonie. dans un monde, en fait, où les gens ont peur de, finalement, des STEM, en fait, pour la plupart qui ne font pas ça, comment ils vont s'insérer, en fait? L'idée, c'est ça. C'est qu'on vulgarise les STEM, on dit, allez-y, la monsieur qui ne vont pas vouloir faire ça. Comment ceux-là, on va s'occuper d'eux? C'est ça un peu la question, en fait. Et finalement, moi, je reviens à Eman, en fait. Pour moi, la réponse est dans la question. Les gens ont peur des STEM. Et tout est dedans, en fait. Quand tu as peur de quelque chose, tu te mets un blocage dans la tête, en fait. Il y a une expérience qui a été faite qui montre que quand les enfants sont sensibilisés, en fait, au fait qu'ils font des maths, quand ils en ont peur, en fait, il y a une aire particulière de leur cerveau, en fait, qui est l'heure de la peur, en fait, qui s'active. Il a dit, oh, je ne cherche même pas à comprendre, c'est mort. Tu ne vas pas y arriver. Exactement. Tu vois? Et ils font la même chose sans que je leur dise que c'est des maths et ils y arrivent, en fait. Donc, il y a déjà ce premier blocage un peu psychologique là qui fait que les gens, comme Eman disait, les gens se disent les maths, c'est pour les génies, c'est pour les gens qui sont un peu dans la lune. Et ça, pour moi, l'une des meilleures manières d'enlever ça, en fait, c'est de faire des maths sans faire des maths. C'est montre à quoi ça sert, en fait. Quand il a posé la question, ça m'a fait penser à un truc qui me fait rire. Il y a Elon, Kiff No Beat, là, dans une de ses chansons, qui dit « Logarithme n'est plus rien, je n'ai qu'à faire quoi ça ?» chaque fois que j'écoute cette chanson, ça me fait rire parce que moi, je gagne ma vie à l'algorithme n'est plus rien, tu vois. Les maths, c'est ça que moi, je vis, en fait. Donc, en fait, on n'explique pas aux gens que ça sert, en fait, finalement, ce genre de choses. Et il y a ça déjà. Si à l'école, passons sur le fait qu'il faut faire des démonstrations et tout, ne serait-ce qu'on envoyait des gens qui sont scientifiques, qui vont peut-être on ne peut pas faire un défilé à l'école non plus, mais qui vont venir sur certains chapitres dire, bah, ça sert à ça. Quand vous faites des matrices à l'école, bah, ça sert à diriger un avion, typiquement. Ils savent, en fait, c'est chiant peut-être à faire, mais ils savent que ça a une utilité, en fait, derrière. Donc, déjà, il y a ce premier cas de direct de ma personne. Rapidement, en fait, il y a ce premier problème, en fait. Et le second problème, c'est effectivement, il y a toujours des gens qui ne voudront pas faire. Donc, il faut que l'État, en fait, s'il veut aller dans les STEM, qu'il bouche, en fait, finalement, au fur et à mesure, ces canaux-là. Si tu sais que tu ne vas pas avoir besoin d'eux, ce n'est pas la peine de les former, en fait. Ouais, donc, il faut que derrière, en fait, la structure du coup éducative, en fait, change, en fait. On n'a pas besoin de 1000 historiens, en fait. Pour un thème particulier, j'entends, hein, dans les entreprises, là, tu as quoi, 2-3 juristes, tu as sûrement 1000 ingénieurs à côté. On voit bien, en fait. Donc, il faut que, finalement, la manière de faire l'école, en fait, conditionne un peu pour qu'il n'y en ait pas beaucoup. Et ceux qui existent déjà là-bas, on va dire décroissance normale, ils vont au fur et à mesure, on va dire, diminuer pour arriver à une sorte d'équilibre, en fait, finalement. Si tu ne les formes pas, ils ne vont pas chômer, en fait. Okay. Totalement, je suis d'accord. Mais j'aimerais aussi préciser quelque chose. Bon, ça peut être un problème de... You know, des gens, des personnes qui te ressemblent, qui n'ont pas réussi dans ce domaine ou que tu ne connaisses pas. Par exemple, et souvent, tu ne connais pas un noir, par exemple, qui a créé le téléphone. Ou souvent, on n'a pas ce genre d'informations. Il faut savoir aussi, des gens comme toi qui ont pu faire quelque chose scientifiquement, je pense que ça peut te donner une expression de « je peux moi aussi ». Quand tu vois surtout que c'est des gens qui sont toujours de l'extérieur, que c'est juste des statistiques, ça peut être difficile pour toi de penser que tu es capable aussi, je pense. On va laisser à Aïcha. Vas-y, Eman. Mais pas que ça pâte. Ce dont tu parles là, je pense qu'il y a... C'est aussi un point où on peut aider en tant que personne lambda, on veut développer. C'est informer, éduquer, et puis renseigner les gens sur ces genres de trucs-là. Et je vais citer des plateformes. C'est vraiment motivant quand je vois sur LinkedIn et tous les trucs. Il y a beaucoup de plateformes maintenant, même en Côte d'Ivoire même, qui sont en train de faire ces genres de promotions-là. Tu vois les trucs, j'ai oublié le nom des pages, mais les gens n'ont pas de génie. En Côte d'Ivoire, on fait par exemple la promotion des gens de Isaac ou bien des gens qui ont inventé des trucs, ce genre de choses-là. Ou même les gens qui sont sur le panel. Ce sont des gens qui font des trucs intéressants, amazing. Pourquoi est-ce qu'on n'interviewe pas, comme on appelle ça, on ne fait pas un entretien avec Abbas pour qu'il nous dise ce qu'il fait à Michelin?
Pourquoi on ne fait pas une interview avec telle personne? C'est confidentiel. Au moins nous parler en général de... Pas forcément toi, ça c'est confidentiel. Mais nous parler des petits trucs qui vont encourager des gens. Il y a une plateforme où je fais un peu de volunteering. De volontariat, merci. On appelle le truc The Africa I Know. Ça a été lancé par une dame sénégalaise qui, elle a fini son PhD en quelque chose en AI et tout. Et rapidement, elle a lancé la plateforme. Je vous invite à peut-être venir aider à soumettre des qu'on appelle ça, des posts, des articles, des trucs comme ça, qui publient. J'ai connu le truc de Mpemba Effect par rapport à ça. Il y a les articles comme ça. Et moi, je ne connaissais pas. Je suis qu'on appelle ça, on est sur ça. Donc, il y a des plateformes qui aident dans ce truc-là. Aidons-nous qui connaissons l'utilité de ce truc-là. Si on ne veut pas créer tout dès le départ, rejoignons ces gens de team. On rejoint le team de cette plateforme aujourd'hui en train de faire ces discussions-là pour aider où on peut aider. Et puis, rejoignons les autres plateformes de Africa et nous, tous ces trucs-là, pour faire la publicité, pour montrer les Noirs. Il y a beaucoup de femmes noires aux États-Unis qui ont aidé dans la course de l'espace et tous les trucs. Il y a les films qui font ça, qui nous motivent. Et ça parle de cette histoire de représentation dont je parlais. Donc, vraiment, faisons quelque chose nous-mêmes de façon personnelle plutôt que d'indexer l'État. Je suis totalement d'accord, Eman. Et Aïcha, tu voudrais ajouter quelque chose rapidement? Oui, un peu juste pour répondre à la question comment vulgariser l'estime et puis aussi essayer de rendre l'estime abordable au fait. Et moi, je dis comme ça qu'il faut essayer de démystifier au fait l'estime, en fait, parce que comme on l'a dit, on rend ça compliqué, ça peut créer une barrière au fait pour des personnes. Et par exemple, si on prend l'exemple de la chimie, on fait la chimie aussi quand on cuisine, donc, et même la physique aussi, c'est quand on pédale un vélo, en fait, de la physique. Donc, c'est pas seulement des choses qui sont vraiment grandioses, comme lancer une fusée ou autre, en fait, ça peut se faire, en fait, à des trucs genre smaller scale, en fait. Je sais pas comment on dit ça, mais ouais, mais donc, par exemple aussi, genre, au niveau des modèles, c'est toujours bien d'avoir des modèles pour essayer d'avoir une certaine idée sur ce que tu veux et essayer de te diriger vers une discipline d'estime. Mais souvent, tu n'as pas de modèle. Ça peut être une réalité, tu n'as pas de modèle. Mais ce qui peut être fait dans ce cas-là, c'est juste essayer d'évaluer ce qui te plaît. Ce qui te plaît, les trucs qui sont assez simples. Par exemple, pour ça, moi, je n'ai pas eu de modèle féminin, en fait, pour me diriger vers la géoscience. Et je savais que j'aimais les maths, j'aimais les sciences environnementales, en fait, et aussi j'aimais la technologie. Donc, j'ai essayé de revoir, en fait, quelle filière, quelle discipline d'estime regroupait toutes ces choses, à toutes ces passions-là. Et c'est comme ça que j'ai essayé de me diriger vers la géoscience. Donc, à défaut de modèle, il faut essayer aussi d'évaluer ses propres passions et essayer de les appliquer, en fait, dans les domaines dans les disciplines ou domaines de STEAM. Oui, je suis totalement d'accord. On peut même avoir une semaine ou un mois de l'histoire des scientifiques noirs, peut-être en Côte d'Ivoire, et présenter des gens qui ont fait de grandes choses. Il y en a tellement beaucoup qu'on ignore. Il y en a vraiment beaucoup. Exactement. Oui, il faut que... Je pense que c'est une très bonne transition vers la dernière partie. On a constaté que l'estime, c'est indispensable pour le développement durable d'un pays, surtout les économies émergentes. On a aussi constaté qu'actuellement, on a quand même des problèmes. On rencontre des challenges, surtout au niveau de la formation et des qualifications. J'aimerais que chacun d'entre vous me donne une solution qui est propre à son domaine, qui pour améliorer l'estime en Côte d'Ivoire. Une expérience qui est vraiment personnelle, qui vient de toi, qui vient de ton expérience, oui, de ta formation. D'accord. Chacun va donner une réponse. Non, ladies first, Aïcha, go ahead. merci, Modeste. En fait, moi, dans mon cas comme ça, dans le cas de la géoscience ou bien de n'importe quelle science environnementale, en fait, la solution, c'est d'emmener les personnes, en fait, à voir l'impact, en fait, de cette discipline-là sur la réalité, au fait, sur l'endroit où la personne vit. Par exemple, en Côte d'Ivoire, si on prend une personne qui vit dans une région de la côtière comme ça, et il y a actuellement des érosions et autres, et si la personne
voit que il y a une certaine discipline dans l'estime qui peut aider au fait à comprendre au fait ce phénomène et aussi essayer de trouver certaines solutions vis-à-vis de ça. Donc je pense que la personne sera quand même intéressée au fait en quelque sorte. Et si la personne est intéressée, la personne aussi va se donner à fond et chercher au fait des possibilités pour apprendre au fait la discipline. Et à part la géoscience, je pense que dans d'autres disciplines aussi, comme la technologie et autres aussi, il y a des personnes aussi qui peuvent voir d'autres exemples qui s'appliquent vraiment dans la réalité et aussi essayer de se diriger vers la discipline qui les intéresse et qui peut essayer de apporter une solution en fait dans la discipline. C'est qu'en Afrique, on aime beaucoup l'argent. Je suis en Côte d'Ivoire. Je veux un impact concret économique. Impact économique. Mais tout ça, c'est aussi économique parce que si tu essaies de régler ces problèmes de la société, là, tu vas aussi apporter un certain impact économique parce que si je prends dans le côté de l'agriculture comme ça, il y a souvent des maladies pour les plantes et autres, et tu apportes une solution vis-à-vis de ça basée sur ta formation. Et donc, comme ça, genre, tu as sauvé, en fait, une plantation. Et si tu sauves la plantation, en fait, il y a quand même une conséquence économique après ça. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas seulement voir l'impact économique immédiat, en fait. Il faut aussi voir aussi l'impact économique à long terme. Mm-hmm. Je suis totalement d'accord. Et qui va suivre? Moi, parce que pour moi, l'idée est un peu fraîche, parce que j'avais discuté de ça avec une personne de ma famille, il n'y a même pas 2 heures de temps. En fait, dans le domaine où je suis, c'est qu'on design et on construit des usines. Il y a ce qu'on appelle le TIC, le Total Installed Cost, c'est-à-dire, disons, le coût que va coûter toute une usine. Par exemple, dans les projets qui sont donnés à la télé, on dit, bon, on va faire une usine qui coûte 2 milliards de, comment on appelle, de francs CFA, ou bien, je dis un chiffre comme ça. En fait, il a été, sur tous les projets d'ingénierie qui ont été faits depuis, je pense, 50 ans, il y a une caractéristique qui est sortie qui est incroyable. C'est qu'environ sur tous les projets qui ont été faits, quel que soit le score, disons, quel que soit le prix de l'usine, au maximum, l'ingénierie coûte à 5%. Le coût de l'ingénierie, hein, des gens que tu vas payer, le matériel que tu vas acheter, les ordinateurs, les logiciels et tout, ça te coûte 5%. Du prix d'une usine. Le reste, ça, c'est les machines que tu vas payer. De manière concrète, on dit on veut s'industrialiser, n'est-ce pas? En sachant que dans tous les projets d'industrialisation qui vont venir, 5% c'est de l'ingénierie. Il suffisait que ces 5%-là, ne serait-ce que 2,5% reviennent au terroir, à des entreprises locales qui sont installées. C'est déjà une très grande manne. Ça, c'est d'une part. La deuxième des choses, c'est que plus quelqu'un fait de l'ingénierie, plus il commence à avoir des réflexes et il le fait moins cher. Il y a mon chef d'ingénierie qui disait, la meilleure ingénierie, c'est du genre la qualité et l'efficience. C'est exactement ça. Faire un travail de qualité avec le moins de fonds. C'est ce qu'une bonne ingénierie fait. Mais c'est comme le vélo. Il faut que tu tombes au début. Bon, tu fais, la tuyauterie n'est pas trop ça. Et puis après, 2 fois, 3 fois, tu ne fais plus d'erreurs et tu es rodé. Mais il faut qu'il y ait des marchés pour faire ça. Et la chose qui est bon là-dedans, c'est que lorsque tu commences à faire de l'ingénierie à grande échelle de manière locale, il y a des gens qui commencent à se dire, dans une usine, il y a forcément un réservoir qui va contenir de l'eau. Moi, je veux juste faire le réservoir. Ça fait un segment d'économie. Et de là, il y a tout un écosystème qui se développe. Ça, c'est au deuxième plan. Au troisième plan, c'est que si tu arrives à développer ça à ton niveau, puisque toi, tu es en train de t'industrialiser, tous les pays de la sous-région qui sont en retard là, tu peux utiliser cette même notion de partenariat ou de partenariat win-win de telle sorte que tu puisses étendre, comment on appelle, ton industrialisation et tout le relan de technologie que tu as développé, de connaissances, là, que tu puisses l'exporter. Parce qu'au final, là, la Corée du Sud, là, ce qu'ils vendent, c'est de la connaissance. Et la chose encore, qui est encore plus intéressante dans le domaine, il y a ce qu'on appelle les licensors. Par exemple, quand tu veux faire une raffinerie, la manière avec la technologie et qui va assurer, donner la certitude avec des études, un laboratoire
que ça va marcher. C'est par exemple une technologie de ExxonMobil, de Total et autres. Et disons, ce genre de trucs, il faut un laboratoire. Il faut avoir des data, des données, puisqu'on a à l'époque des data d'usines déjà que tu as déjà fait, qui marchent et autres, pour pouvoir confronter tout ça. Mais si tu ne fais pas maintenant, ces 5%-là vont à l'extérieur. Il n'y a aucune technologie qui est développée. Je ne sais pas si vous voyez la manne qui est derrière. Moi, honnêtement, la source que je pense, si j'étais l'État, j'allais faire un pôle développement industriel propre ingénierie. Et déjà essayer d'étaler un business, comme je viens de le dire. Honnêtement, c'est ma modeste, comme mon nom le dit, contribution. C'est une très grosse contribution, modeste. Merci beaucoup. Et une autre personne, s'il vous plaît. Eman Abbas. On a essayé des domaines un peu space. Ouais, vous êtes un peu en dehors de la réalité. Bon, Eman, vas-y, moi j'ai réfléchi encore. D'accord. OK. Enfin, j'ai fait électronique au départ et informatique, mais là, je suis dans le domaine de l'informatique, intelligence artificielle pour utiliser ce thème général. Je vais étudier ça, vraiment, je fais machine learning, des trucs comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait donner, qui pourraient vraiment être appliqués à la Côte d'Ivoire, ce qui se fait actuellement en dehors, genre si tu parles des choses d'optimisation. Donc, on a parlé des chaînes de production, tout ce qui peut optimiser les choses, détecter les trucs rapidement et tous ces trucs. Et puis, toute la valeur ajoutée qu'on peut ajouter aux trucs de finance et tous ces trucs. Mais je vais prendre deux exemples beaucoup plus concrets. C'est d'abord en termes d'économie, quand on parle de l'agriculture, par exemple. Aujourd'hui, on a notre cacao et tous ces trucs. Il y a des maladies qu'on peut détecter facilement si on parle de vision des machines et tous les trucs comme ça. Computer vision. Voilà. Okay. Il y a quelqu'un qui peut peut-être pouvoir gérer sa plantation depuis sa maison, pouvoir savoir comment ses plantes sont, faire des prévisions de comment on appelle ça, de la récolte qui va venir, pour pouvoir planifier et tout. Et puis même pouvoir détecter les maladies des cacao, aider même nos agronomes, faire des simulations pour pouvoir faire de nouvelles espèces de trucs dans les trucs d'agronomie et tous ces trucs-là. Ça va, on peut appliquer toutes ces techniques-là si l'intelligence artificielle est vraiment bien développée, les trucs techniques de machine learning et de la science sont bien développées, pour appliquer ça à ça, pour développer, comme on appelle ça, ce domaine-là beaucoup plus, optimisé. Bon, je suis en train de rêver vraiment beaucoup dans le futur. Le prochain live, on va parler beaucoup plus d'intelligence artificielle et tout. Mais l'autre chose aussi, je pense, qui pourrait être vraiment très, très intéressant, et en termes de culture aussi, pouvoir ouvrir nos populations comment on appelle ça, à ce monde virtuel d'Internet et tout, dans ce dont on parle. Ça va vraiment impacter le standard de living de nos populations qui sont en général illettrées. C'est les trucs de natural language processing. Aujourd'hui, peut-être on a des parents qui ne sont pas illettrés, qui connaissent des choses, ils sont vraiment très intelligents et tout. Mais ils ne peuvent pas utiliser l'Internet parce que tout ce qui est là-bas en général, c'est en français, c'est en anglais en majorité et tout. Et si, ce qui les bloque, c'est faire des interfaces. Il y a une multitude de connaissances en ligne. S'ils peuvent faire, comme on appelle ça, des recherches dans la langue locale, ils prennent le portable, ils savent que Google dit, peut dire d'accord, ou Google, il fait sa requête en anglais, un peu comme ça, en djoula, je ne sais pas si en djoula malinké, en baoulé, des trucs comme ça. Ce n'est pas Google qui va venir développer. Quand on parlait de truc de recherche de Google au Ghana, c'est pour faire ce genre de trucs-là pour nous, sûrement, pour qu'ils puissent commercialiser. Mais si on se focalise nous-mêmes sur notre langue locale. D'abord, ça va préserver nos langues, on préserve notre culture et on peut ouvrir cette opportunité-là parce qu'on a cette interface-là pour nos populations qui sont majoritairement illettrées. Et ils vont avoir accès à ce truc de connaissances. On va voir que ça va impacter la santé, ça va impacter qu'on appelle ça l'information qu'ils ont. Et ce sont des trucs, personne ne va venir développer ce genre de choses-là pour nous si l'État ne donne pas des fonds pour faire des recherches, si nous, on ne s'intéresse pas à ça pour créer des solutions, des startups et tous ces trucs. Mais c'est un potentiel qui est là. Et toutes les solutions, on voit que dans ce domaine-là, les solutions qu'ils ont développées ailleurs, ça ne va pas forcément marcher pour nous. Et d'abord, on n'a même pas de données pour pouvoir entraîner nos modèles et tous les trucs. Donc, il faut d'abord collecter les données, il faut formaliser nos langues et tous ces trucs et pouvoir, comme on appelle ça, apprendre de ça. Mais je pense qu'il y a vraiment une opportunité là pour préserver nos cultures, une opportunité pour, comme on appelle ça, rendre le contenu sur le web avec le monde, d'ouvrir le monde à notre population qui est beaucoup illettrée. C'est vraiment grand. Mais je pense que c'est, si on veut avancer et faire des trucs, ce sont des choses qu'on va pouvoir faire et résoudre nos problèmes comme ils sont. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir résoudre nos problèmes pour nous. Voilà.
Je suis totalement d'accord. Du coup, moi, je suis, on va dire, je suis sur le segment d'Hermann aussi, donc je vais sûrement parler de la partie robotique. Dans ce cas-là, c'est une question compliquée pour moi parce que robotique avec un pays en développement, ça ne va pas souvent de pair, en fait. Moi, ce que je vois comme opportunité, typiquement dans le secteur de la robotique, je vais peut-être prendre l'exemple de la Chine pour peut-être faire le parallèle. Les Chinois sont nombreux, ça, ce n'est pas un secret. Pourtant, c'est aussi l'un des pays les plus robotisés au monde. Ça, c'est un peu paradoxal, mais c'est parce qu'en fait, les robots permettent d'atteindre un certain type de qualité qu'un être humain n'est pas capable de faire, en fait. En robotique, on a un truc qu'on appelle le paradoxe de Moravec qui dit « Tout ce qu'un homme sait fait facilement, un robot le fait difficilement et inversement. » Donc, si demain, on dit on est un peu sur le même setup que la Chine, on est des pays moins chers, une entreprise veut venir s'installer en Côte d'Ivoire, par exemple, les gens ne sont peut-être pas suffisamment qualifiés pour faire une chose. Par contre, des robots qu'on peut programmer pourraient faire cette chose-là bien et pourraient bénéficier du fait que la main-d'œuvre locale est moins chère. Mais dans ce cas, il faut que des gens sachent piloter ces robots-là, en fait. Donc, moi, en fait, ce que je vois comme intérêt à la robotique, par exemple, en Côte d'Ivoire, ce serait qu'on la développe dans l'optique, en fait, pour l'instant, d'être une sorte d'usine, en fait, du monde. Si je prends, par exemple, on va prendre un exemple, une entreprise française qui fait ses produits en Côte d'Ivoire ou en Chine, je pense qu'elle gagnerait à les faire en Côte d'Ivoire si elle peut avoir le même type de qualité, en fait. Parce que derrière, les créateurs parlent français. Donc, il n'y a pas de problème de langue, il n'y a pas de problème de fuseau horaire. Vous bossez en même temps. Mais vous pouvez venir quand vous voulez quasiment, parce que c'est à 6 heures, vous n'avez pas besoin de faire la journée dans l'avion. Donc, si on était capable d'atteindre quasiment le même type de qualité, on serait compétitif, en fait. Dans un monde globalisé, on serait compétitif. Donc, moi, l'intérêt que je vois, c'est ça, en fait. Si le gouvernement, et ça fait partie d'un concept qu'on appelle leapfrog, en fait. Actuellement, on essaie un peu de combler notre retard. Des fois, ça n'a pas trop de sens, en fait. Vaut mieux acheter et sauter, en fait. Tu passes directement à la génération d'après, en fait. Donc, si au lieu d'essayer de faire les machines industrielles, on sautait directement, on dit, bon, là, maintenant, de toute façon, le monde, c'est le digital, c'est l'automatisation à outrance. On se lance là-dedans. De toute façon, tout le monde part maintenant. Donc, on n'est pas en retard. Si dès maintenant, on mettait le pétrole là-dessus, en fait, on pourrait être dans une position assez rapidement, en fait, concurrentielle avec d'autres pays, en fait, qui sont peut-être gros, mais vu que tout le monde commence en même temps, personne n'est vraiment en avance, en fait. Et c'est un peu ça que moi, je verrais en termes de robotique dans un pays sous-développé. Il faut que tu sois capable de produire un peu à l'exemple de la Chine, en fait. Derrière, tu es concurrentiel immédiatement. C'est ce que moi, j'y vois, en fait. Parce qu'en termes d'exemple particulier, Eman a dit un peu tout ce que j'aurais pu dire d'un point de vue intelligence artificielle et autre, en fait. D'accord. Merci, Abbas. Vous avez soulevé des points très intéressants, tout le monde. On a une question de Ange Niamien qui demande... Il demande, sa question, c'est l'université est en retard par rapport aux demandes du marché du travail de plusieurs années? C'est une question. Et puis après, il demande pourquoi aller loin à l'école pour être au chômage, sachant que ce n'est pas gratuit déjà. Joe, je vais regarder ma course au moins et me divertir dans l'immédiat et peut me mettre dans la marmaille. Oh, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, la marmaille, c'est un truc de court terme, on l'a dit déjà. Mais sans vouloir t'interrompre, je pense qu'il y avait une autre question par rapport à comment on peut vulgariser, mais je pense qu'on a déjà répondu. On a répondu à la question. Oui, exact. Moi, c'est la question d'Angelas. J'ai envie de dire, il faut faire apprendre aux gens des choses qui les mettent en capacité d'aller sur le marché du travail immédiatement, en fait. Je vais donner un exemple simple. Quelqu'un qui fait lettres et quelqu'un qui a fait, informatique, ils n'ont pas du tout les mêmes potentialités, en fait, dès leur départ. Le gars qui a fait informatique, il s'est fait un truc. Il s'est réellement fait un truc, en fait. Le gars qui a fait lettres, il faut qu'il se fasse employer. Parce qu'il va être traducteur, il va... Mais... Du coup, si on faisait plus de formations techniques, déjà, les gens, il n'y aurait sûrement pas autant de travail de toute façon parce qu'il faut de la stimulation. Mais par contre, ils pourraient faire des choses directement, en fait. En parlant du digital, là, le gars, s'il a tout le bagage pour créer un site web, bah, il se lance dans sa boîte, en fait, directement. Alors que le gars qui a fait criminologie, sociologie, tant qu'on ne lui a pas passé commande une étude sur, je ne sais pas, tel peuple, bah, il a assis à la maison, je tourne les pouces, quoi.
Oui, il va aller regarder Makoso. L'autre qui a déjà des skills, lui, sera sûrement devant son ordinateur à essayer de mettre en place son idée, en fait. Et de toute façon, l'oisiveté est à la mère de toutes les vices. Vaut mieux avoir quelqu'un qui fait quelque chose C'est que sûr. quelqu'un qui, de toute façon, a trop de temps et qui fait rien du coup. Je suis totalement d'accord. Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Bah, j'aimerais aussi dire peut-être qu'il nous manque comme un comité de veille pour mettre à jour notre système parce que c'est quand même très vieux qui répond vraiment, vraiment pas au marché actuel. Mais c'est passé, c'est les vieux aussi qui le font, quoi. Oui, et est-ce que ce sont des Ivoiriens qui le font aussi? Ça, c'est une autre question aussi qu'on peut se poser. Oui, ça c'est vraiment une autre question. Si je veux ajouter quelque chose à ce que ça dit, moi je pense que, en fait, dans un monde, il y a la place de n'importe quel type. Il y a la place du gars qui va pousser le Wotro, il y a la place du gars qui a fait le GABA. La seule chose, c'est de Bienvenue au savoir en Gabon, fait, quoi. quelle proportion en fait, de personnes il y aura. Moi, j'ai une expérience qui m'a touché, honnêtement. Et je crois que j'en ai parlé déjà à certaines personnes dans ce panel. Je pense en 2017, je suis venu et puis je me suis demandé qu'est-ce qu'un enfant ivoirien pense devenir? Parce que j'avais eu une expérience au Maroc avec des jeunes enfants qui parlaient de qu'est-ce qu'ils veulent devenir. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que des enfants? Et tous les enfants, je te dis, tous les enfants que j'ai croisés, je leur ai demandé qui étaient en âge de parler et de compréhension. Je leur ai demandé, qu'est-ce que tu veux devenir? Les réponses m'ont tellement choqué. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent devenir Arafat. Il y a des gens qui m'ont dit clairement, moi je veux devenir Arafat. Il y a des gens qui ont dit, je veux devenir du genre le prochain Baby Philippe, je veux faire musique. Et il y a des enfants qui ne savent même pas ce que le gars fait. Genre le rêve de, je veux devenir pilote, je veux devenir juriste et autres. C'est vraiment des identités que les personnes parlent. Ce qui revient encore de la représentation du modèle, comme Aïcha l'a dit. Il y a ce point-là qui est fondamental, vraiment. Il y a ce point-là qui est fondamental. Ça, c'est d'une part. Deuxièmement, il y a ça, ça sont les stats. Et les stats, elles peuvent mentir, mais apparemment, ça ne ment pas très souvent dans certains pays. C'est qu'on a remarqué que dans tous les pays où il y a des Steam, là, il y a plus de travail, comment on appelle, il y a plus de travail qui sont, de travaux qui sont développés. C'est-à-dire comme quoi les Steam, là, vont créer, par exemple, une technologie. Autour de cette technologie-là, il y aura d'autres emplois qui vont sortir. Et en plus de ces emplois qui vont être, d'autres emplois qui vont être créés, pardon, en plus de ces emplois qui vont être créés, les autres formations connexes, par exemple les gens des juristes, les gens des lettres modernes, vont avoir au fait leur part de travail à donner, leur part je dirais, leur part de gâteau dans ce qui sera créé. Donc c'est comme je reviens encore sur ce point, les Steam, au fait, généralement sont des catalyseurs au fait d'écosystèmes. Et autour de ces écosystèmes-là, il y aura bien sûr d'autres emplois. Donc, c'était comme si pour battre le feu, tu mettais un peu d'essence là-dessus. Pour augmenter le feu, il faudrait mettre l'essence. Et l'essence, c'est l'estime. Voilà. Ok, je suis totalement d'accord. Herman, tu voudrais ajouter quelque chose, n'est-ce pas? Non? Si le temps presse, on peut laisser. Je voulais juste dire que je voulais juste dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas Rapidement, oui. partir à l'école. Ouais, ils veulent pas continuer à avoir les doctorats et tout parce que le truc, hein, on se connaît des gens, ils n'ont pas de travail. Il n'y a pas de travail. Donc, plutôt que s'asseoir à la maison, j'ai dit, attends, je vais faire un doctorat. Donc, ça fait pitié, mais on parle plutôt de l'adéquation de la formation. Et puis, même, comment est-ce qu'on oriente les gens à l'université ici? Je pense que c'est vraiment caduque. Il faut permettre, moi, je préfère le système anglophone. Hein. Il faut donner l'indépendance. C'est vrai que ça va augmenter le prix de l'université et tous les trucs, mais il faut donner l'indépendance aux universités de pouvoir sélectionner des gens, les étudiants, même eux-mêmes postulent à des universités. Il y a une certaine concurrence. Les gens vont savoir vraiment ce pourquoi ils postulent. Mais quand tu orientes les gens par rapport à leurs moyens, on met tout cela ici, on met cela ici, c'est comme ça, vraiment, c'est vrai qu'on choisit. Mais on force les gens à aller faire des trucs. Ils ne savent pas vraiment les déboucher. Et après, ils ne vont pas à trucs. C'est vraiment bizarre quand même. Les gens souvent continuent dans les diplômes parce qu'il n'y a pas autre chose. Plutôt que de m'asseoir à la maison, je vais continuer. Peut-être après, j'aurai la chance de devenir un enseignant. Peut-être après, au moins, j'ai le diplôme. Et du coup, on a beaucoup de personnes qui ont des trucs de master, qui ont des 2A, des trucs comme ça. Et ils sont assis à la maison. C'est la triste réalité. Mais c'est ça. Ça explique un peu le truc. C'est vrai que l'université, ce n'est pas trop cher. Donc, du coup, c'est mieux que de rester à la maison. Au moins, tu peux dire que non, tu es étudiant. C'est définitivement vrai. Il y a ce problème, mais aussi un problème de formation parce que je constate que certaines personnes, après les études, on leur fait passer beaucoup de stages. Souvent, ils payent pour faire le stage.
Peut-être ça montre aussi qu'ils n'ont pas d'input réel pour ces entreprises, peut-être. Il faut se poser ces questions. Est-ce que ces personnes prennent vraiment leur formation au sérieux ou est-ce qu'ils sont vraiment formés quand on s'entend à eux sur le marché du travail, par exemple? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Je pense, est-ce qu'on a d'autres questions? Pour l'instant, on se moque un peu de Modeste, mais à part ça, ça va. Ouais. Oui, c'est correct. Ben, on va s'intéresser à un dernier point, c'est surtout la place des femmes. Quel rôle les femmes peuvent jouer? On va aller rapidement, on a presque terminé là. Mais j'aimerais qu'on se penche un petit peu sur la place des femmes surtout. Parce que je pense que si on veut un développement durable, il faut quand même la vie de tout le monde, l'input de tout le monde et l'expérience de tout le monde. Donc, j'aimerais que vous brossiez rapidement la place des femmes. Ben, je pense que la meilleure façon, c'est de commencer avec une femme. Aïcha, vas-y. Mais moi, je pense que le rôle de la femme, ce n'est pas différent de celui de l'homme. Hein, dans l'estime, c'est pareil. C'est pareil, seulement que quand on n'a pas assez de femmes, donc on doit commencer à d'abord essayer de promouvoir ça, quoi, de promouvoir la place de la femme dans l'estime. Et elles doivent savoir aussi que le rôle n'est pas différent de celui des hommes. Ce n'est pas comme si les hommes ont la majeure partie, au fait, ou bien le... Qui ont le highest role, au fait, dans l'estime. Mais nous tous, on a notre place, au fait. Et après avoir fait la promotion, en fait, d'estime au niveau des femmes, leur montrer que c'est possible, quoi. Ça peut être une réalité pour tous, femmes comme hommes. Donc, moi, je ne vois vraiment pas de différence entre le rôle de la femme dans l'estime comparé au rôle de l'homme. Oui, en fait, on comprend tous bien que les hommes et les femmes sont égaux. Mais en fait, bon, c'est un constat qui est réel, c'est que les femmes, elles sont sous-représentées. Et, exactement. Oui, exact. Oui. Mais comment peut-être... C'est pour ça qu'il faut bien faire la promotion, en fait, du rôle de la femme dans l'estime. On dit que c'est possible, c'est une réalité, c'est pas différent de celui de l'homme. Oui, c'est vrai. Et quelqu'un voudrait ajouter quelque chose rapidement? Je ne sais pas trop, désolé, quelqu'un d'autre voulait venir. Je crois que c'est une réalité, comme tu l'as dit là, de savoir que la représentation, c'est pas bien. Je prends mon exemple d'abord. Depuis, je crois que quand j'ai été au lycée scientifique en 4e, il y avait 4 filles. On parle de lycée scientifique, on parle de série A, série C déjà. Il y avait 3 filles, je crois. En seconde, dans ma classe, il y avait 2 filles. On voyait la proportion, c'est vrai, il y avait Sainte-Marie et tout. Après, en premier, on avait une fille, en terminale, il n'y avait pas de fille. C'est parce que ça diminuait. Donc, du coup, il y a ça. Et même à l'université, je crois qu'on avait moins de 5 filles dans notre matière, quoi. Tu prends d'autres matières, peut-être en ingénierie chimique et tous les trucs, il y a beaucoup plus de représentation. Mais dans certains lieux, il n'y a vraiment pas la représentation. C'est un réel problème. Maintenant, comment résoudre ce problème-là? Je pense que le problème de modèle et aussi des parents, comment on considère les filles. La fille, ce n'est pas forcément les lettres modernes ou bien des trucs comme ça. Je ne sais pas si, je ne pense pas que de façon génétique, l'homme soit supérieur, qu'on appelle ça à la femme de façon truc. C'est vrai qu'on dit non, les femmes souvent sont inclinées à des trucs de lettres, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment de backup scientifique à ça. Il y a des trucs de women in science dans tous les domaines-là qui encouragent ce genre de choses-là. Je pense que beaucoup plus pratiquement, il faut que les dames qui sont là-bas puissent se représenter parce que moi, je suis un homme, je ne peux pas forcément donner tous les trucs. Je peux aider. Je ne peux pas comprendre les problèmes de discrimination dans lesquels elles s'en vont. Par exemple, dans mon équipe de travail, il n'y a pas de femmes. Donc, je ne sais vraiment pas comment ça va se passer. S'il y a une fille qui vient, elle peut se sentir bizarrement un peu, souvent les sous-estimer. Il y a des discriminations qui sont là. En tant qu'homme, il faudrait qu'on crée un environnement où elle se sente bien. Ça va encourager ces dames-là pour ne pas envoyer notre, qu'on appelle ça, énergie de macho ou bien de masculinité toxique ou intimider les gens et trucs. Créer un environnement qui est sain et où on respecte les gens. On les traite de façon, qu'on appelle ça, égale, de là. Et puis, à la fin, il faut représenter. Il y a les trucs de girl in code, il y a tous ces trucs d'organisation non gouvernementale là qui encouragent les jeunes filles à faire ces trucs-là. Donc, je pense qu'on peut aider en ça, si c'est les funding, si c'est aller faire des démonstrations. Il y a aussi des discriminations positives où on encourage les femmes, on donne des bourses, des trucs comme ça, pour encourager les femmes à venir beaucoup plus dans le domaine. Et puis souvent aussi où on dit non, pour ce truc-là, il y a un certain pourcentage de femmes qu'on recherche. Donc, ces genres de trucs-là peuvent aider en termes de politique,
en général, mais aussi de façon personnelle, il faudrait qu'on encourage aussi nos enfants, nos petites sœurs, nos amis et tous les trucs comme ça. Donc, c'est ce que je peux dire. Je suis totalement d'accord. Abbas, Moudes, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Rapidement, moi, je dirais, Eman a levé un point quand même, c'est que il y a des filles dans l'estime. Souvent, c'est polarisé, en fait. Il y en a beaucoup d'un côté, pas du tout de l'autre, en fait. C'est qu'en ingénierie, tout ce qui est chimie et autres, là, il y a beaucoup de filles souvent. Quasiment pas de garçons. Et en mécanique, en code, il y en a beaucoup, beaucoup moins, en fait. Donc, ça, je ne sais pas pourquoi. Et il faudrait, en fait, encourager les gens à se lancer un peu dans tout, quoi. Moi, je n'ai pas vraiment de solution pour inciter les enfants, en fait, à... Faut inciter les enfants à faire ce qu'ils veulent, finalement. Parce que dire, inciter un enfant à faire de la science alors que ça n'intéresse pas aussi, c'est compliqué. Je n'ai pas de vraie solution pour ça, en fait. Moi, je dirais que c'est toujours intéressant d'avoir une fille dans une équipe de gars parce que souvent, elle n'a pas le même point de vue, en fait. Les hommes, en tout cas dans mon équipe, souvent, ils sont un peu plus... ils ont moins d'aversion au risque, souvent, quand ils font des trucs. Et les filles sont souvent plus mesurées. Donc, ça fait que ça évite des effets un peu tunnels dans les équipes, en fait, où tout le monde pense pareil. Donc, pour ça, il faut naturellement, en fait, toute la société dedans. Après, comment les inciter, ça passe, en fait, par l'éducation, comme Eman disait, quoi. Il faut dire aux gens que, bah, en fait, quand il s'agit de travail, il n'y a pas de sexe, quoi. C'est tout ça. C'est du travail. Exactement. Donc, filles ou garçons, on y va, quoi. Exactement. Moi, j'ai une particularité, c'est que mes trois premières années de travail, c'était mes managers, c'était des dames. Wow. Et disons, quand j'ai changé après ma dernière mission, quand je suis revenu et j'ai travaillé avec des hommes, j'ai vu la différence, elle est claire. Les dames, surtout en sciences, je ne sais pas, mais ce n'est pas... Je veux pas rentrer dans des trucs ésotériques, mais vraiment, il y a une autre approche de voir les sciences. Non, sérieusement, la manière avec laquelle elles voient les sciences, ça n'est pas la même que les nôtres. Généralement, comme Abbas l'a dit, l'effet le plus clair, c'est l'effet tunnel, du genre où tu penses exactement une chose qui est juste. Et les femmes sont très mesurées dans la mesure où elles soulèvent des points que tu n'as jamais pensé à ça. Dans des projets, il y a en tout cas, dans des projets, j'ai vu des approches qui étaient tellement originales et la majorité des cas, ça venait des femmes. Et honnêtement, moi, je me suis toujours dit comme quoi que ben, si c'est ça, c'est mieux que mes managers soient des femmes. Et puis, en plus de ça, c'est toujours la bonne humeur avec elles. La diversité d'opinion, définitivement, voilà, c'est ça. Sort de bons résultats, définitivement. Ben, notre panel tire à sa fin. Ben, on va donner la parole à chacun de faire un petit résumé pour lui, de ce qu'il a compris ou de ce que les gens doivent retenir de son passage. Bon, je sais pas, on va commencer par Eman. Tu peux commencer? Non, on commence par les dames. On commence par les dames, s'il vous plaît. On a ladies souvent commencé par les dames, oui. Ladies always first. Non, on dit dans le travail, il n'y a pas de sexe. Donc, Eman. Exactement, oui. C'est une très bonne attitude. Non, mais la galanterie va de soi. Faut à Camero. Ok, là, ce que je pense. Hein. Je crois que merci Heidi toujours pour la plateforme. Merci à Cécile d'avoir, comment on appelle ça, modéré. Merci à tous les panélistes pour ces échanges. Je crois que j'ai appris vraiment beaucoup. Mon mot de fin, je pense que tout le monde le sait. L'estime, c'est vraiment indispensable. Si on veut être compétitif en tant que pays, on va devoir se pencher là-dessus. Et un gros boulot doit se passer au niveau de l'État, c'est ce que je retiens. Mais de façon personnelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour comment on appelle ça, améliorer les choses? Je pense que c'est ce que j'ai dit déjà. De notre côté, soyons cette représentation dont on parle. Envers, comment on appelle ça, nos proches, c'est déjà quelque chose. Et puis, on peut faire du volontariat aussi, comme je l'ai dit, des plateformes pour faire de la promotion, pour informer les gens. Et puis les plateformes, comme on m'a dit, on est en train de faire aujourd'hui de notre temps. On discute de ça pour un plus grand public. On espère que ça va atteindre beaucoup plus de personnes au-delà des astres anciens et tout.
Donc, c'est ça, on peut faire notre. Soyons, qu'on appelle ça, beaucoup plus actifs, mais pas indexer l'État seulement. Et essayons ensuite d'investir. Il y a un risque de repartir au pays, de créer les choses, mais nous-mêmes, est-ce qu'on s'applique à développer les solutions qu'on est en train d'autres enfants de parler? Et un truc important là, je pense que c'est le pouvoir de la collaboration. Et que seul, ça sera difficile de prendre le risque et tous les trucs. Mais si on se met ensemble pour créer des réseaux, même pour parler simplement, ça peut commencer à créer des idées, se mettre ensemble pour créer, comme on appelle ça, des startups, pour commencer à créer des solutions. On parle aujourd'hui, on travaille aujourd'hui, comme on appelle ça, remotely. On travaille à distance. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, comme on appelle ça, commencer à créer un réseau à base, si c'est, comme on appelle ça, Aïcha, Siloué, ou bien d'autres personnes, pouvoir commencer à réfléchir à certains problèmes. On ne va pas tout résoudre, mais on prend un problème important, on résout ça et on va collaborer avec nos amis qui sont dans le marketing, dans la finance et tous les trucs qui vont penser beaucoup plus côté business. Ça nous aide, ça aide le pays et c'est quelque chose à laquelle j'encourage qu'on appelle ça. Tout le monde, en fait. Enfin, il faut des amis à qui tu fais confiance et tous les trucs. Mais toutes les grandes réalisations, ça vient souvent pas de Apple, ça vient des deux amis. D'autres personnes comme ça. C'est vrai qu'après, ça devient un problème, les gens se séparent et tous les trucs. Mais si on commence à faire ça, ça va créer quelque chose. Donc, j'encourage. Tu es séparé à coup de millions, c'est bon. C'est mieux de se séparer quand je suis riche, les trucs comme ça, pour aller faire ce qu'il veut. Voilà, donc c'est mon mot de fin. Merci, Ousmane. Ok. Emman, tu peux désigner une autre personne, ainsi de suite. Ok, si Louis, André, ils ont envie de parler. Donc, vas-y. Rodéo, ça va. Go ahead. D'accord. Moi, à mon niveau, moi, ce que je peux dire, c'est il faudrait que, comme Herman l'a dit, qu'on soit les modèles qu'on n'a pas eu et qu'on a toujours voulu avoir. Moi, surtout, et un petit clin d'œil à Isha, je pense que c'est à nous d'être ces modèles-là. Et surtout, de ne pas se cacher sous des revers, par exemple, comme quoi on ne trouve pas racine carrée au marché ou bien des pensées qui ne sont pas à jour. Pour se dire comme quoi qu'on n'a pas notre partition à jouer derrière. Et il faudrait qu'on se donne surtout à la collaboration, comme il a dit, et surtout penser à identifier les solutions, des problèmes qui nous sont propres, développer des solutions qui nous sont propres. Et à partir de cela, faire développer des emplois à partir de technologies pour pouvoir faire rayonner en quelque sorte l'estime et aussi le pays, le continent. Et c'est quelque chose qui est important actuellement. Voilà. Merci. Je passe la parole à une autre personne. Bien sûr, Aïcha. D'accord. Moi, mon mot de fin ne sera pas tellement long, en fait, parce que c'est tellement simple. Moi, je pense qu'il faut démystifier l'estime. Démystifier l'estime pour que chacun, tout le monde, femme comme homme, puisse savoir que c'est possible pour tous, c'est possible à tout le monde de faire d'estime et de pouvoir appliquer cette estime-là pour un développement durable. Merci beaucoup, Aïcha. Je pense que ça passe. Voilà. Vous avez quasiment tout dit, en fait. Moi, je vais m'aligner avec un peu tout ce que tout le monde a dit. Moi, c'est incontournable que la science est en fait, c'est le salut de nos pays, là. C'est ce qui, pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que il n'y a pas de personne plus intelligente que d'autres, en fait, quand il s'agit des sciences. Il faut se lancer dès le départ, en fait. Et on trouvera bien quelque chose qui va nous permettre d'avoir un avantage concurrentiel, en fait. Tant qu'on reste à dépendre scientifiquement des autres, pour moi, on ne pourra pas prétendre être développé, tout court. Parce qu'à chaque fois, on aura besoin d'autres personnes. Ça, ce sera mon mot de fin à ajouter à tout ce que vous avez déjà dit, quoi. Ok. Merci beaucoup, Abbas. Merci, Emman, Aïcha et Siloué. Merci d'avoir participé. C'était un premier panel sur les STEAM. On le voulait un petit peu général. Il y aura d'autres panels plus spécialisés sur les STEAM à venir. Donc, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Et merci. On vous remercie. Et c'est tout. Allez, bye bye. Merci. Prenez soin de vous. Cool, et bon week-end. Bye bye, guys. Merci. Bye.